Il y a peut-être 6 ou 7 ans, mais t'es dit que Compass, c'est un mode en voie de disparition. Pour qui ça, je vais l'expliquer très clairement, ça que je t'ai dit à l'époque. Ça que je t'ai dit à l'époque, c'est que le groupe Compass était très âgé. C'est-à-dire que le dernier groupe qui n'était pas arrêté là à l'époque, c'était le groupe Karimi. Messieurs étaient déjà, allons dire, entre 35 et 40 ans. Lorsqu'il y a entre 35 et 40 ans, jeune qui gagne entre 15 et 30 ans, il n'est pas intéressé à garder un nègre qui gagne 40 ans, car je ne l'ai pas identifié là lui-même. Donc c'est pour ça que je me dis que mathématiquement, c'est un genre en voie de disparition. C'était sans compter sur la présence des femmes. Et yon bagay que compas direct là, qui était un genre extrêmement misogyne, nous disons, nous pas perdu le nom, ça veut dire que pas de femme du tout dans le compas, l'autre est bon femme qui était dans le compas, elle était traitée de tous les noms. Bon, à tort ou à raison, ok, yote assimilé compas à musique, on nous dit, régime du Valier, ok, et pour moi-même, c'était un erreur, parce que, on nous dit, groupe qui était plus emblématique de régime du Valier, on nous prend Bossa Combo qui était on dit le groupe par excellence de Jean-Claude Fassi Sampli Mounzi, mais sous des textes Bossa Combo yo, et Wapman était tout comme un nègre qui fait jouer musique ça pendant qu'il a fait fête pour Jean-Claude. Donc Fabrice Cousier, bonsoir. Ou bien bonjour pour le monde qui parle toute émission à l'heure à côté là, bien droit après-midi, bien droit à soir. Nous disons bonsoir et merci de ce que vous acceptez de répondre à l'invitation nous dans l'émission Les Années Folles là, qui est une émission qui ouvre porte, qui ouvre salon pour artistes, parler de eux. Nous disons merci en pile de ce que vous acceptez de répondre à l'invitation et pour jouer être là avec nous. Keita, c'est moi-même qui vous remercie, m'a dit tout. Internautio, d'abord mesdames yo, avec messieurs, bonsoir et merci un pile d'être que nous accueillons dans les années folles. C'est vraiment un gros honneur pour moi. Bon, merci. Vous connaissez, il n'y a pas longtemps, moi j'ai eu l'opportunité pour me parler à compère, à frère, à qui, comme on qualifie parce que lui-même, et on va parler de Keke Bélisère, et on m'a demandé, si je ne parle pas à Keke Bélisère, et que qui parlait de musique. Est-ce que je ne parle pas à Fabrice Cousier? Mais bien sûr que je ne parle pas à Fabrice Cousier, parce que aventure et musique là, même si vous vivez ensemble, vous pas forcément vivez même gens. Donc, c'est pour ça nous avons besoin de faire avec chaque membre. D'ailleurs, je pense que vous pouvez passer nous Emmanuel Oba, puisque nous avons une opportunité pour nous parler à Eric Charles qui partit quitter nous. Et chaque membre qui était cas gagner version payo de aventure, belle aventure musique ça. Mais avant de commencer avec musique. Fabrice Cousier, comment vous y êtes? Moi très bien, grâce à Dieu. Et moi content du fait que moi là. Et moi pensais que santé moi bien mené message aussi, c'est un bon bagage. Et bien entendu, nous avons chagrin de gens que le pays nous a apporté. Mais je crois que le droit de vivre communicatif, ça, parce que libéral pour ton bien au pays, a, et c'est comme ça que pour nous créer un environnement meilleur. Tout. Donc, nous obligé qu'il y ait sourire là tout, et espoir là tout, et qu'il y ait création tout surtout, qu'il y ait rêve surtout. Et c'est comme ça que nous allons demain, et plus belle pour le pays. Espoir, rêve, sourire, création. Tout ça, on paye besoin pour l'avancer, tout ça, on a besoin pour le camper, oui. Pour l'exister. Alors, m'a réfléchi, me fait semblant réfléchi, et puis pendant m'a regardé Fabrice Rosier en face, moi, dit comme ça, me lis un côté que le fait en 1957, Port-au-Prince. Non, 67, mes amis. Mes amis? Et bien, monde, ça a écrit, hein, regardez moi-même qui a rajouté la jour. Pardon, excusez-moi. Alors, ouais, ça fait me dire, faut que c'est attissé pour pas les soifs. Voilà. Alors, Fabrice Cousier, vous faites dans l'année 1967, m'a recommencé. Fabrice Cousier, vous faites dans l'année 1967, Port-au-Prince. Oui, moi, fait Port-au-Prince, l'hôpital Canabévert, moi, fait lundi 6 mars. Et d'après ça, maman me dit, moi, je fais à 6 heures du soir.
Et m'pa ba anpil problèm, kom se mwen te denye, donc te gon espèce d'habitude, donc mwen sorti lundi a, et parce que c'était premier jour semaine nan tout, donc m'di bon, l'été temps, donc mwen sorti. Donc Bon, je voilà. travaille. Voilà, donc mwen fait l'hôpital Canapé Vert, et puis mwen passé toute vie mwen, et mwen gen chance que jusqu'à présent, et mwen vive Bois Mouquette qui nan tête Pétionville. Ça veut dire jeudi en Haïti. Jounen jodi a, oui, mwen an Haiti, e mwen viv, jemwen djou, mwen bwa mouket, depi ke m fèt. E se la ke mwen viv, e mwen, an nou diti, tan ke m pase deyò, mwen tal nan kolèj. Ok, ah oui, d'accord. Ou implanté, ou pas dans déplacé. Ou a explique nou sa tout à l'heure. Fabrice Cousier, ki kalite ti moun ou teye? Deja, ou di lò fèt ou pa bay trop problème, hein? Parce que te gen tan gen, combien avant? Combien ti moun avant? Te gen toi. Mwen gen deux frères, un seul. Et puis mon frère nan rele Pilou, en pile moun konnen li ni nan football, li konnen ki un sportif à 16 heures. Mwen gen un seul mwen ki rele Isabelle ki se docteur. Et puis mwen gen un parrain mwen ki se Sakvin Avonnen, ki se Daniel Gérard, ki se et partenaire mwen en affaire, mais tout les trois, tous ces grands supporters mwen nan toute folie musique mwen. Et ça ne peut pas l'étal. Son petit dernier, tout ça le fait, tout ça le choisit, yo d'accord avec lui parce que c'est chouchou. Pas tout le temps, mais yo encourage, mieux encourage dans la musique. D'accord. Oui. Donc, est-ce que vous grandissez dans l'environnement, parce que là, on essaie de comprendre, parce qu'on peut choisir, faire musique. Est-ce que vous grandissez ou pas grandissez dans l'environnement musique, Fabrice Cousier? La kay mwen pa nesesèman, e an nou di ke pat vreman gen musisyen apat depi loupi gran frèm nan ki te jwe gitar, men m kapab djou sou katye bo la kay mwen kote m leve ya, se te yon katye muzik ke l te, ok? E dè do mwen gen yon kote kire li Mariaman, pil moun ki konen li, tout moun ki kontene Mariaman, yi bo le le, ben Mariaman e dè do la kay mwen li. Ok, te gon un fo la ki te gon gro un gan ki e l'exan fo. E monsieur sa, te gon ban rara kon soti pou tout te aktivite rara yo. Ah, se ton bagay fenomenal. E mwen mwen te kon sove sot la kay mwen mal nan un fo, mal gade nan yo kap bat tambou. E se kon sa ke mwen pren goun nan tambou tout. Parce se vreman premier instrument ki atire mwen. E mbra dou, lot bagay tout ki te gen. Kote mwen te bo mwen ket la. Te gon paquet de grands musiciens qui étaient dans l'environnement, OK? Te gen par exemple Renaud Nader Saint-Saint qui était dans Scorpio avec Robert Martino, te gen Robert Martino qui était pi bala quand même, et te gen Henri Célestin maestro des difficiles. Coulé ça fait deux bagages moi voilà. Quoi troisième bagage là c'est que en face fenêtre là quand même bon monde et c'est dans monde ça qui gen hôtel Libolélé. Et c'est là par exemple que les bossa qu'on jouait chaque vendredi soir. Donc, de côté m'de nan chanmen, m'tande tout balla du commencement jusqu'à la fin, m'katande le gen goumen dan, m'katande le gen au solo, qui par contre fait nan musique qui fait. Donc, vraiment, m'en devait nou environnement musical extraordinaire. Sans compter que, ti moun ki vin avan myo, Daniel Pilou avec Isabelle, c'est des mélomanes fini gueye, et qui adorait tout style de musique. Et dans l'année, fin année 60, année 70, je me levé yo. Musique en Haïti, j'en comprenne, et radio pas de vraiment format particulier, était joué tout bagay. Donc, c'est dans ça me levé dans Bob Marley, dans Santana, plus tard dans Kool & The Gang, et en plus tout dans jazz, dans bossa nova. Dans musique racine, dans ta pleuve à tout, parce que le groupe Foula, tu es joué pas loin là quand même. Et puis, je fin fais un ami avec Daddy Bobouin, qui était côté grand frère Lyon, mais même tu fais beaucoup mon expérience. Donc, vraiment, un melting pot enragé, et qui vient bah, moi-même là. Vous comprenez? On fait un melting pot, mais on va le faire un choix. Oui. Un choix de musique. Un choix qui plus parler avec vous. Parce que vous dites que vous commencez avec tambour. Mais c'est pas comme tambourineur que vous pourrez le reconnaître tout, c'est pas comme tambourineur que vous pourrez le voir au départ. Bon, motivé choix non, quand même. Alors mais ça passe, c'est que là imagine, moi fait en 1967, ça veut dire l'homme vient on nous dit le nous vient en 1973, ils sont date particulière et disons que me gain et 5 6 ans d'âge et à l'époque ça et Haïti qualifié pour la Coupe du monde en Allemagne. Donc tout le monde qui a 5 6 ans, je garantis, il n'y a pas d'intérêt pour jouer musique nécessairement. Tout le monde devait ou bien Pierre Bayonne ou bien Philippe Vogue ou bien Manu Sanon. Et c'était capable tout, OK? Alors, mais il devait un footballeur.
Ah oui, bien sûr, ça veut dire que je devrais être Guy Saint-Ville, ça, moi-même, c'est Guy Saint-Ville, vous me gaillez, vous comprenez, parce que c'était le plus grand, enfin, jusqu'à présent, pour beaucoup, il connaît Guy Saint-Ville, c'est le summum du football haïtien, avant, bien sûr, Melchior Ndoumandé. Ah ouais, bien sûr. Mais maintenant, écoute, moi, j'ai mon grand-tante, moi, qui est le Marguerite Bono, et qui était concertiste, ok, et il était fait piano lié en France, etc., des études très avancées. Donc, comme tout petit monde, nous était contre le football, en balakaï, et puis, lui-même, il attrape mon leur, et puis, il mettait chita sous piano, et puis, il dit, mon voilà, prenne solfège. Ben, ça t'embêtait mon pile, etc., mais, lui-même, il dit, de solfège, que moi, j'ai jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas que le force, il fait main piano, etc., bien entendu. C'est pas musique que j'ai envie de jouer tout. Vous comprenez? Et puis voilà, et puis donc, c'est lui-même qui m'a dit, moi, ça le fait jouer. Puis même plus tard, moi, je vais naguer ça rapidement, retourner à jouer au football avec Zami Mio. Mais plus tard, allons dire vers 14-15 ans, bon, moun la quand même, t'es gain représentation ou manque de piano qui tirait des Baldwin. Alors, mais personne ne va jouer piano dans le magasin. Et ils viennent sortir des orgues. Et orgues là, bien entendu, c'était des orgues préprogrammés. C'est la première fois que ça a été sorti. Il était dans la rue du Centre. Donc, on y pèse un bouton sur orgue là, et puis, bon, espèce de rythme qui partit, etc. Et à l'époque, il y a un héros musique au moins, et t'as fait musique, et t'es sorti des albums, et comme t'as adoré, il s'agit de Joe Jack, qui était l'homme orchestre. Mais, grâce à l'instrument, on nous dit copier Joe Jack, et essayer de chanter tout ça que monsieur t'a fait. Donc, moi, j'ai essayé imiter monsieur, j'ai imité monsieur Tu tellement bien que. t'appelles petit maman. Non, non, pas chanter. Jusqu'à présent, grâce à Dieu, je ne peux pas chanter, mais au moins, je me suis joué et puis je me suis viré tête, même j'ai avec monsieur, mais c'était ne pas connaître que monsieur était aveugle du tout. Hein. Ah Mais ouais. ouais, donc, moun te envahi galerie à chaque fois que je me suis joué, mais moun, propriétaire magasin, je n'ai pas besoin de jouer, je pas très, mais tout bruit, ça, tout le temps. Vous comprenez? Donc, c'était au départ, moi, que moun intéressé dans ça que je me suis joué. Donc, vous imaginez un petit garçon qui a 6 ans, 7 ans, bon, c'est du bas, et puis moun, capable c'était déjà. Vous voyez, nous comprenons pas que t'as foyer. Donc, ça, très vite. Vient développer un goût pour musique là, mais pour musique, on dit musique populaire là, tout, vous comprenez? Et monsieur, vraiment, c'est pour moi, c'est une plus belle voix dans la musique noire, mais en même temps, pour moi, capable de faire ça et avec un handicap aussi sérieux, c'est vraiment bah, extraordinaire. Et plus tard, moi, on dit jockey. Ça veut dire que le coup, il y a, on nous dit, moi, j'ai Ephraim et Daniel rentré sorti dans le collège, je me suis acheté des platines avec un petit mixeur. C'est la première fois que je me déroule. Et puis, bien entendu, je me suis commencé à faire deux, trois bagues pour la musée. Et puis, je me dis, waouh, il y a des possibilités pour faire des bagues intéressantes avec ça. Donc, coup, il y a, je me prends une platine, monsieur, je me prends un mixeur, monsieur. Hein. Tout ça que tu as comme disque là, quand nous, et puis, dans le jeu, quand même, c'est comme ça que je devine, on dit ce qui c'est pas même genre avec ça qu'a fait, je veux dire, c'est avec des platines. Mais, bien entendu, entre les amis, nous avons fait des petites fêtes de salon, côté que nous jouons. Tout ça nous remet, mais ça devine créer un autre bagaille et tout. Ça veut dire que, où t'es qu'à mélanger des chantiers, ça veut dire que t'es qu'à mélanger un Kool & The Gang avec un Mini All Stars, ou un Skacha, avec un Michael Jackson. Nous comprenons des bagailles complètement fous, mais qui étaient l'ouvert l'esprit sous possibilité. Et grâce à ça, je viens de découvrir un paquet de jeunes qui a fait un petit peu même bagaille avec moi. Et dans disc jockey, et un des plus grands que j'ai découvert à cette époque, qui était déjà bien plus avancé par ça, il était l'école à Frem tout. C'est Georges Lisséreur, communément appelé Master G. Et Master G, moi, lié amitié avec monsieur. Et monsieur, même dans Radio Papa, Radio Port-au-Prince, et nous partager des morceaux. Et puis monsieur a dit, mon cher, c'est pas. Musique a gagné beaucoup plus que, on dit pop là, ou bien compas, ou bien gagne beaucoup plus que ça. Et c'est le premier monde qui veut me faire découvrir musique africaine. Et me changer, c'est monsieur qui premier présenté, moi, on dit de Fela Kuti, ou bien de Salif Keita. Et ça, c'est ton déclic pour moi. Vraiment. Mais qui l'a ajouté gain là? Parce que, on est vite.
M'aller vite, non, mais c'est pour me passer de 7 ans là, mais j'ai 14 ou 15 ans. Ou bien t'en as 4, ouais. Ouais, j'ai 14 ou 15 ans, et là, vraiment, et même à essayer. On va essayer toute bagaille. On va essayer toute bagaille. On va essayer toute bagaille. Curieux, mais cool, ya, mais en termes d'instruments, j'aime du moi, t'es joué par exemple, des chances. Mon beau frère, qui t'es joué tambour, qui t'es adoré tambour. Professeur de tambour, c'était Azor, et Lénor Fortuné. Et même chaque samedi, m'attendais, monsieur, qui a joué tambour, mais l'autre des bon tambour, qui a joué, et Drop qui pue, on nous dit, dans le groupe, n'est qu'à jouer tambour, c'est n'est qu'à kata. Ok? Bien entendu, comme c'est mon pipiti, on mettait ma kata. Et puis, pendant des heures, pendant des gars solo, pendant des gars fait belle sortie. Puis, quand l'homme paraît, je me dis, mais t'as pas une chance pour moi. Je dis, mon cher, c'est l'homme joué kata, c'est le son pour le comprendre. Quoi, il y a un sens du rythme, c'est ça qui parle fort, mon bon tambourine. Alors, ça me vient de comprendre par la suite, c'est que monsieur vient fait même bas avec moi que. On nous dit, Mr. Miyagi, t'es fait un karaté qui, de son, je wax on, wax off. Mais voilà. Et bien, nous tellement vu jouer kata que nous vîmes au sens de tempo. Et vraiment, et ceci jusqu'à ce jour, qui était extraordinaire. Sans compter que ça a encore l'ouvert possibilité pour moi, côté que moi, que rien que dans la culture, nous avons des signatures rythmiques et des capacités avec différents rythmes de folklore, nous, qui capable, on nous dit, qui inédit, m'bav le dit, qui pas existé dans le monde de la musique. Mais on nous dit que, messieurs, prend ça que nous gagnons en termes de si on prend tout rythme que nous héritons à partir de l'Afrique qui vient, on nous dit, en Haïti, de quelque façon que ce soit, et c'est des rythmes qui présent sous musique mondiale et nous gagnons la caille, nous, et nous gagnons peut-être même un peu plus riche que ça qui existait sous musique, et dans musique mondiale. C'est des rites qu'on pourra l'utiliser ou même en création. Oui, absolument, absolument. Ça pourra le venir un petit peu plus tard. Faut me dire que, bien entendu, des fanatiques qu'on va dire et tout le bagage. Même rencontrer des gens qui ont fait un petit peu même des marches avec moi. Et moun ka fait même des marches avec moi, Ntakadjou. Si on est même Dadi Bouboun, et Dadi, c'était nos amis, moi, mais nous t'aimons même bagaille, nous t'aimons rock, nous t'aimons même musique frontline, etc. Et nous t'avons fait un petit peu même des marches là, et moi, c'est comme ça que je participais avec Michel dans la production premier album. Le premier album, beaucoup d'expérience. Ouais, et comme ça, et bon, j'aime dire, là, je suis obligé à le faire rechercher un petit peu plus approfondi, je viens comprendre qui ça que vraiment que tu veux doyer, qui ça que chaque rythme te vle dit, parce que c'est pas juste jouer rythme là, c'est qui ça que wap honoré ou bien qui ça que wap on nous dit que wap loué, wap jouer tel ou tel autre rythme. Donc vraiment, est-ce, bien, parenthèse, est-ce que ça veut dire qu'on lien avec musique vaudou, musique folklore, qu'est-ce qui attache ou gain? On comprend tout ça dire, mais est-ce que personnellement ou gon attache, parce que on commence par on fort qui des la caillou, on commence par tambour qui premier instrument, ou quitter ou bien pas quitter, par contre comment ça t'est passé finalement, parce que ma tante il oui. Va le mettre au piano, ouais. Et qui a fort apprendre solfège, ou parti sous clavier électrique ou retourner dans tambour à jouer kata, mais côté où pour le retrouver tout nom sans apprendre dans la et Fabrice Rosier dans la musique côté après je n'ai pas connu vite avant oui pas connu Cheita, mais faut me dire franchement me connais que toute influence ça et yo fait de moi même musicien que moi aujourd'hui et yo fait de moi même on nous dit musicien on nous dit pas vle di qui ont une espèce d'éclectisme non mais on nous dit un musicien qui ouvert à toute possibilité vous comprenez et m'pa peur on nous dit rien comme disons que bah ça va effrayer moi pour m'entrer dans un bien entendu moi son profane que mien hein. Ça veut dire que moi pas moi pas un expert en quoi que ce soit mais moi senti mal à l'aise dans toute composante rythmique ça yo et dans tout genre musical ça yo que le reggae que le rock que le yaralou que le hibou que le congo
Enfin, vous comprenez, ça veut dire que pour moi-même, tout fait partie de moi-même et il fait son j'aime tableau là, son melting pot que le vignier, vous comprenez, donc Par même contre, c'est un défi, ma plan, c'est Baou, mais ma ton album qui va aller toute sonorité, ça. Bon, écoute, si vous tendez production et production que me fait pour l'autre artiste, parce oui, l'autre artiste, vraiment, et parce que moi, jusqu'à présent, pourquoi j'aime capable de convaincre que je vais sortir un projet solo, ouais. Mais moi, pense que moi, essayer de mettre couleur ça yo, les différents artistes avec lesquels je travaille au cours des ans. Même si vous attendez un petit peu son travail de moi, nous, on est, mais si vous attendez un petit peu, vous rejoignez là. Donc, un projet là, coup tranquille là. Ça, c'est Youn, avec vélo. N'a pas parlé de production après. Est-ce que tout ça qu'a fait autour de vous, est-ce que vous continuez piano avec ma tante hein? Non. Ou bien est-ce qu'on stoppe le net? Moi, je stoppe complètement. Mais continue à jouer avec l'oreille. Alors, même pas vraiment. Et tout ça que je t'attendais, c'est pas jamais mon bagage que moi-même, je publié ou bien mal enregistré. Mais ça va venir bien plus tard. Un beau jour de 1984, il y a un bon ami, je suis capable de grand frère pour moi, et qui malheureusement parti pour l'au-delà, qui est Hans Peters, qui était un groupe qui est Pirogue. Alors, il y a une musique que il fait. Que tout le monde songeait, c'est une musique qui relève l'escalier, et la vie a son escalier, et marche pas marche ou monter ça, peut-être que c'est une musique qui était cartonnée pendant l'été 84. Mais c'est vraiment capable de jouer, c'est quand on grand frère, c'est, et maman, je suis avec ma maman, défunte, malheureusement, c'était deux bons amis. Et capable de jouer, si vini là quand on joue, et mais son nez qui était vraiment fait oui d'harmonie et monsieur t'a fait un petit peu même recherche là tout ça veut dire que monsieur t'a voulu l'autre rythme autre que compas direct là etc et monsieur dit mais moi je me suis toujours joué oh bah ça etc dit monsieur oui je continue jouer t'es bon espèce de clavier là quand même monsieur dit moi j'aime mon musique on va aller enregistrer d'ailleurs mais qu'on joue sur lui. Je me dis, mais écoute, pour qui ça, moi-même, j'ai un paquet de grands musiciens. Je me dis, viens apprendre la musique. C'est une espèce de riff que nous composons. Et je fais répéter. Je me dis, monsieur, écoute, nous allons enregistrer, vous venez avec une cassette. Je dis, non, monsieur. Demain, nous allons dans le studio. Là, je dis, nous allons dans le studio. Je me dis, monsieur, ouais, je ne veux pas bon, nous allons dans le studio. Je dis, mais imbécile, c'est pas studio, ça va parler. Et monsieur Menemé, première fois dans la vie, monsieur Menemé, Audiotech. Et joue ça, vous parlez des coïncidences. Moi, je pense que j'ai John Doe avec Richard Dalmont qui a enregistré un équivalent de We Are the World en Haïti qui était les Colletet. Et rien que sur le titre, ça, tu as un coupé cloué. Tu as un Cidé Rose, tu as un Raymond Cajuste, et tu as tout le monde. Je ne sais pas quoi que son bagage, j'aime moi le jour, mais moi, je fait devant. Mais c'était quand on met lui que monsieur t'a fait. Et c'est John Doe qui, du groupe Scandale, qui était vraiment producteur projet ça. Et c'est la première fois que je m'entraîne, imagine. Donc, nous avons une session tout de suite après monsieur. Donc, je regarde tout le monde, ça, que je connais des photos sous plaque ou bien je connais dans la télévision. Et puis, moi-même, je peux jouer des deux. Je me dis, waouh! Et vraiment, je ne comprends pas, je me suis montré un côté qui te semblait un cockpit d'avion, etc. Et puis, je suis finalé après deux ou trois heures de temps. Et puis, bon, là, je me suis trac terrible. Et puis, ingénieur à l'époque, qui était Patrick Desjean, je me dis, mon cher, le studio a 24 tracks, mais je dis, il y a 25 parce que vous venez avec tout trac dans le studio. Même si je m'étais mal à l'aise, écoute, ça a pris une époque avant de ordinateur ou quoi que ce soit. C'était aller directement sous tape. Ça nous a pris peut-être deux ou trois essais. Et puis, je réussis. Et puis, c'est une musique que peut-être, rapide, nous connaît de Hans Peters, qui est les musiques là sous l'œil. C'est peut-être la première musique que j'ai chance d'enregistrer dans le studio. Mais tout de suite après ça, je n'ai pas besoin de jouer. Ils me font une expérience comme ça. Et puis, je me dis, bon, ok, là, c'est là quand même. Donc, moi, quoi que, pas grand jour qui passait depuis jour ça, que je pas passé Audiotech pour Malchita, etc. Voilà. Ah bon, d'accord. Ça veut dire comme ça, vous décidez, vous sentez bien, c'est ça ouais. que c'est...
C'est ça que tu as pas le choix de décider de Ah oui, la vie de absolument. musicien en tant que musicien. Absolument, absolument. C'était décisif dans la vie. C'était décisif dans la vie, mais c'est là ça que je commençais à fréquenter. Et tout le monde qui vient dans le studio, il faut que je n'ai pas d'instrument à l'époque, tout. Et c'est là que tu as un instrument, donc on est même déjà parti déjà avec Bobby Denis, il a montré qui ça que console là, qui ça que chaque bouton ça, on a regardé qui fait avion voler, c'est qui ça que vous représentez, etc. Donc là, c'était une divine passion pour moi, vraiment une divine passion, et moi-même, je viens chercher, vous connaissez pas de l'école, pas d'internet à l'époque. Donc, je viens chercher livres différents, clavier, livres différents, appareils, que malgré l'anglais, je n'ai pas en forme d'où à l'époque, je m'appelais lire des chiffres. Donc, vraiment vient une passion, et vine, quand vous êtes autodidacte, bagaille ça. En fait, plus que audiothèque, c'est Hans Peters qui a été décisif dans la vie. Absolument, absolument, et dans la vie qui est tout. Oui, c'est ça, il était dit ça. Ça veut dire que l'idée décelait la caille, non? Potentiel nous gagner et puis il va nous chance nous Oui, Liban ou nous bien chante. le pousser nous par contre si c'est chance il va nous bien le pousser nous sur le devant pour dire avancez petit monsieur Liban entre nous tous chance les deux, et Liban nous tous sélection. les deux, Liban nous tous les deux, parce que même tantôt, il montrait nous une communauté de musiciens, parce que ça paraissait là. Et ainsi, pour nous tous les deux, par exemple, à l'époque, c'était le début d'un groupe qui est les Splash, qui était Cafoufeuille. OK, avec Sergio Jean-Noël et avec Jimmy Jean-Félix. Et monsieur menait nous à la répétition, monsieur. C'est comme ça que même jour, moi, il y a amitié avec Jimmy, avec Richard Laguerre, avec Sergio de Regret et Mémoire, et avec Bito Vauban, qui était là, dans même cadre là, et Bito va pour Bito va renouveler. Et c'est juste ça, me songer, monsieur, t'as fait, dans même la cour. Et qui est-ce qui t'est chité avec Beethoven, t'as fait musique, Émeline Michel. Mais oui, Émeline Michel, tout jeune. Et puis, coup, nous, il y a amitié, là pour là. Donc, c'est ouais, son déclic, c'est gentillesse et générosité ainsi qui mène nous toutes là. Et nous pourrons faire un chemin ensemble jusqu'à Nous journée de toutes. diam, qu'a dit ça. Nous toutes, ça veut dire que l'ingon communauté à partir de 1984 à 1985, nous toutes musiciens, ça veut dire plus encore, et nous t'es retrouvés, nous, dans un studio, rue de l'Enterrement, qui était les studios Touré, qui était appartenu à l'autre mécène encore, qui est les Raymond Desmonts. OK, parce que, au moins, à l'époque, ça n'a pas de ordinateur, pas de. Oui. Tout le Donc, monde j'ai besoin. s'est pas éparpillé, Voilà, tout copié, tout le et monde c'était, gagne tout voilà, bagarre à t'as la gagné deux clé, ouais. studios. T'as gagné deux studios. T'as gagné Audiothèque et t'as gagné Studio Raymond Desmonts. Mais Studio Audiothèque, là, c'était vraiment le summum. Donc, pas de façon pour la. Quoi, Jushita, mais carrément Desmonts, il était beaucoup plus, allons dire, démocratique. Allons dire, et Raymond était quitté nos moyens, Raymond était quitté nos moyens, tout instrument, etc. Et on pouvait se réunir là. Donc, tout jeune musicien, Mabdou, à l'époque, hein, Pierre-Hugo Chéri, Loulou Dadaï, Eddy François, Bito Vauban, nous-mêmes, Monsieur Papachio. Donc c'est là que nous t'ai retrouvé. Nous. Et nous toutes, nous on nous dit nous t'ai joué sous composition l'autre. Donc c'était vraiment une communauté. Et nous pas nécessairement faire même musique hein, et à l'époque. Vraiment c'était une façon d'apprendre. Là on était qu'on nous accord. Ou à le montrer nègre à quoi, c'est ton gros découverte, ou fait 3 jours je même à quoi. Là, on est écrit en parole, tout, parce que tu as des paroles de grands, grands talents à l'époque. Et on a parlé de Pascal Jean-Huner, par exemple, qui était collaborateur de Bitova. Et bien entendu, le plus grand de tous, Ralph Monsi. Tu es là, et puis je suis parrainé. Tout le monde, ça, bien parce que c'est le Ralph, ouais. Communauté ça qui levait, hein? Et puis monsieur Albert côté Eric Boussicot, et puis monsieur dit Eric Boussicot, moi je suis comme ça passé, il faut que nous fassions un concours pour tout le monde. Ça. Et je crois que ça a été le déclic. Et comme ça, il va Voilà. trouver Voilà, nous chaque tous. monde avec production qui vient participer dans concours. Qui des concours pas les là même, Fabrice Concours, Rosier? Pour moi, il pas qu'on est. premier concours musique American Airlines. Qui OK. fait dans l'année? 1986. OK. Et nous faisons le 17 décembre 1986, particulièrement. Et là, ça, il va le défiler sous scène une équipe artistes en herbe, mais déjà bien installés, parce que c'était des productions qui, journée et jeudi encore, étaient des productions d'excellence et des productions qui étaient normes et que, journée et jeudi, à tout le monde capable de chanter. Et parmi toutes, Jeanne Sayo, Oui. un groupe, un petit groupe,
un jeune petit groupe, quelques adolescents, comment nous pral relè ça, qui pral vini au même tout, qui pral présenter production yo. Mais ça, c'était encore une fois pendant même période là. C'était période carnaval. Et dans Pétionville, là, c'est une bonne rara qui sortit, mais qui était sorti, pas sorti même Jacoulia, comme si c'est bon zoboup. Mais bon carnaval, il était sorti, allons dire vers 2h d'après-midi. Et à 5h, en tout et pour tout, tout bas fermé. Et tu as un groupe qui était les Get Relax, Pétionville. Tu as un groupe qui était les Capitalistes, c'était des groupes de bonnes rivales. Mais tout le monde est là. Et on dimanche, il y a un dernier groupe qui est pété dans Get Relax. Côté que tout le monde est écrasé. Donc, moi, j'ai rencontré Zami, Maxence Denis, quand il me connaît, qui est dans la vidéo, etc. Maxence dit Fabrice, alors là, quand on a fait une musique, on va la craser, on va la faire une musique. Grand plaisir. Parce que les amis, c'est là, il y a un groupe. Non, nous tous nous allons. C'est juste la consacre dans l'ambassade. Nous la consacre, et puis me dit avec plaisir, Maxence, nous pourrons aller dans la caille, monsieur. Bien entendu, Maxence, c'est petit frère Raoul Denis Junior, qui c'est petit Micheline Lodin Denis, ok? Et, ça bien voilà, musique, voilà. Et donc, nous paraît, bien entendu, moi, t'es font petit caille Micheline, et moi, bien avec Maxence, avec Raoul, depuis des années. Et le lit, il me dit, mais finalement, tu as décidé de reprendre ton piano. Je me dis, non, pas exactement. mais il dit, mais écoute, il est là, tu peux ou caisser n'importe qui me mauvais, mais c'est vraiment une invitation que je crois que le poil Louis doit être un petit peu après ça. Pour qui ça? Parce que dans les songe Maxence Stegen était une espèce de petit studio déjà. Et on attendait une variété de musique. Nous faisons après-midi, on attendait musique. Et puis, nous décidons, bon, nous allons faire musique par nous tous. Ah bah. Nous allons faire bruit. Non. Piano, Micheline, imaginez-vous, il y a un nabou, rock sous Steinway avec sous Yamaha. Ça ne s'est pas très bien passé. Alors, à la fin de cet épisode, Père Raoul, de regretter de moi, vient faire nous chita, il dit, ce que vous faites là, c'est rien que du bruit. Ok, venez écouter un concerto de Rachmaninoff. Et puis, je mettais nous chita, écoute, c'est ton expérience, c'est un peu douloureux. À l'époque, il mettait nous chita, et puis on attendait, je vais expliquer une côté violon, une côté viola. À l'époque, je suis que Kouliam n'a pas apprécié bien mieux qu'à l'époque, j'ai que le théâtre. Peut-être qu'on cherche, on oblige chita, tu vois. Mais, avantage de journée, ça, c'est que nous décidons de faire musique ensemble. Et puis, finalement, je me suis dit, moi, j'aime bien de toi, nèg, qui est intéressé à faire musique. Le premier qui s'est rallié à nous, c'était un batteur, allons dire, qui avait une batterie, ok? Monsieur René Christophe Lafontaine. Et monsieur était dans l'autre école, monsieur vini à batterie. Mais regardez, monsieur, quand je batterie, honnêtement, batterie à pas toi, monsieur. Mais même adoré batterie. Mais lui, c'est vraiment batterie. Voilà. Mais pour lui, monsieur dit, mon cher, je suis obligé de quitter batterie à Kai Maxence parce que moi-même, aussi, je suis fatigué à batterie à la Kai. Donc, Maxence dit, ah non. Et moi-même déjà, il n'est pas trop content si nous quittons la batterie ici. Plutôt de mener le café à ça plutôt ce qui était mon rêve. Donc, je suis porté batterie à la caisse. Et puis, le ça, imaginez-vous, moi-même, je me tourne batteur Metallica ou bien je me tourne jouer Louis Mayer, d'après tête même. Okay? Et, mais à mes yeux, tout ce qui était vraiment un drame sur la tière. Donc, du coup, Fabrice Soula. Voilà, bon, bandana m'a tête même dans Joël Louis Mayer, même pas j'ai dans Joël Louis Mayer, mais pour mes voisins déjà ouais que pas j'ai dans Joël Louis Mayer. Donc ça a été yo fait pétition pour que une batterie mais pour moi mettre lui. Donc mais c'est tu sais mais après tout nous quimbé puis nous dit wow, bon OK, moi je joue piano, Maxence joue flûte. Nous gon pseudo batteur. Maxence dit, mon ami qui joue guitare. Il dit, OK, mais il faut nous mettre deux classes avant Maxence Saint-Louis. Alors, ouais, là, ma part de mettre un bail quelqu'un d'autre à lui. Je me dit, ouais, bah, ça sous tête finalement. Parce que je me dis que je suis plus que bah, c'est même bien 2 ans en plus de l'école. Donc, quelqu'un, ça c'est pour. Donc, je suis mené quelqu'un. Mais quelqu'un était très, à l'époque, très, on nous dit, m'a pas dit timide, non? Mais là, monsieur paraît, là, monsieur pas volubile, j'en vois que le volubile. Coulis, là, monsieur, regardez, monsieur beaucoup plus éloquent que nous tous qui l'a. Mais monsieur fini, et monsieur était un petit jeune très, très, très fermé, monsieur, j'ai prévenu. Première fois que nous rencontrer, M. Vini, je joue guitare superbement bien, mais on a rencontré, et puis ça marchait entre nous, et puis voilà, et puis le groupe l'a formé là pour là. Ça veut dire l'homme du groupe l'a formé. Vous étiez 5. On était 4 à l'époque. On était 4. Maxence, Fabrice, Christophe Lafontaine.
Et puis, Keke. Voilà. D'accord. Bien entendu, toutes les amies que nous gagnons alentour nous, viennent faire partie de groupe, là, filles ou garçons. Donc, Okay. voilà, donc nous faisons musique, nous faisons musique, nous animons bal de salon, etc. Mais vraiment, on a interprété tout ça que tu as fait à l'époque, zouk, musique compas, disco, on essaie un petit peu de tout. Voilà, mais nous pas d'instruments. Mais nous pas Ah oui. d'instruments. Nous pas d'instruments. Donc, ça que nous fait, alors, forme de Raoul à l'époque, tu sais, c'était là. Le groupe Zekla était pour un hiatus à l'époque. Donc, Raoul Denis, Claude Marcelin, Oswald Durand, ok, ils étaient formés en groupe. Avec Hans Peters, tout, qui était relé, il était gagné quatre mounes, mais il était relé le trio infernal. Donc, mais, ils étaient gagné, tu sais, ils étaient joués mariage, ils étaient joués fête, etc. Et nous-mêmes, la seule façon pour nous d'avoir des instruments pour jouer, c'est là où tu as déjà parlé. Nous, je dis, nous, monsieur, nous pouvons porter un instrument, dans différents, nous pouvons porter un instrument, ou bien la récupérer. Donc, nous venons, ça que les communément, nous venons chine jazz. Okay? Donc, là, nous venons chine jazz, là, ça veut dire que nous amenons instruments, en fait, nous ramenons, mais une fois que nous ramenons, nous branchons au Voilà. karaoké. Ah ben nous Voilà, nous voyons. jouons. Voilà, nous jouons. Donc, nous avons des instruments pour nous jouer. C'était des instruments, hein, parce que monsieur Sabatien. Donc, on jouait avec les instruments du trio infernal. Mais, alors, c'est comme ça que. Alors, c'est pour ça que peut-être son question qu'on pourrait poser après. Et c'est là, non, musique, la sortie. Pour qui ça? Parce que Tiraoul était mon pick-up à l'époque. Et la pick-up, enfin, des images de la pick-up existent. Et pick-up, là, t'es une bonne. Même, ça compte marquer, ouais, et Pétionville partout, ou bien, voilà, ou bien Léogane, devant. Raoul, t'es marqué Music, sous lui. Donc, là, nous tapons cherché un nom pour nous présenter le projet. Hein. Nous disons Music, là, on dit chanteur américain, d'après le Music. Et puis voilà, donc c'est comme ça qu'on a choisi un nom. C'est à partir de la pick-up dans laquelle nous t'es fait chine jazz. Hein, donc voilà, et pour la postérité. Mais nous créons un groupe là, filles ou garçons, on a chanté, répété, on a pas eu de problème dans le quartier nous avec toutes ces bruits, ça n'a pas fait dans les oreilles mounio. Mais Oui. malgré tout, vous êtes pris au sérieux, Fabrice Cousier, jusqu'à participer à ce concours de American Airlines. C'est Et grâce donc, au concours. C'est grâce au concours qu'on s'est pris au sérieux. Enfin, on ne savait pas qu'on allait avoir même être qualifié pour le concours. C'était déjà une gageure de même d'oser se présenter. Mais t'es bon paquet de jeunes qui t'ont participé. T'as gagné des artistes confirmés. Oui, il faut se souvenir qu'il y avait entre autres personnes. T'as gagné Réginald Polycarp, Claude Marcelin, Lionel Benjamin, qui ont tous sorti des bijoux pendant ce concours. Mais le gagnant, c'était quelqu'un de complètement inconnu, mais qui a battu tout le monde à plate couture. Et il s'agissait de Sidon Joseph. donc Joseph. D'une certaine manière, même j'ai l'impression que c'était plus à amuser nous qu'autre Ah chose. oui, ah Et oui, puis, il faut nous certainement. oser quand même aller dans le concours-là auprès d'artistes confirmés. Franchement, nous Non, t'aimons mais quand champion. on a 18 ans, on se croit invincible et on croit que tout est possible aussi. Et on n'a pas. Voilà, mais c'était très important et c'est pour ça que moi-même, je me stressais que concours, c'est des bails qui sont vraiment utiles. Même si vous n'avez pas gagné, la mettez au-devant de la scène des talents qu'on n'a pas soupçonnés. Et ça arrivait plusieurs fois. Alors, l'histoire aussi, c'est que. Comme son groupe que nous avons formé, on sait qu'un des groupes préférés d'Haïti, c'est un groupe qui s'est fait un nom à partir d'un concours. Il s'agit du groupe Tabou Combo qui a gagné un concours à Télé-Haïti en 1968. Donc c'était quelques années avant le nôtre, mais c'est ton idée, c'est ton idée, Basé c'est ton sur idée. ça, Voilà. Et c'était allons dire, dans les mêmes sentiments. Ça veut dire Tabou hein? Kombo, même gens. Ça veut dire que Yoshita Kapetibi, il a fait musique, ils se sont, ils ont gagné un mic tap supporté, et puis ils ont présenté dans le concours. Ils ont gagné. Donc on s'est dit que c'était peut-être une occasion pour nous de nous faire connaître au niveau musique, et puis bon, voilà. Mais sans aucune prétention. Très bon modèle, mais peut-être que il y avait de la prétention sans le savoir quand même, Il y hein? avait Parce tout plein de que prétentions, il y avait il y tout avait plein de de la prétentions. prétention. Oui, bien Et sûr. alors, le concours, c'est Jamaïti, donc ça veut dire qu'il faut Ouais. sortir un texte qui soit assez représentatif du thème du concours pour être sélectionné. Oui. Alors, comment nous prenons Chita sous texte noir ou même avec quatre acolytes, trois autres acolytes
apparemment il y a les gens l'autre monde qui viennent rassembler pendant ce temps pour nous écrire texte contre panoua. Bon, nous chita et nous t'a fait musique nous tout ensemble et c'était vraiment un travail de que nous toutes nous participer là-dedans et moi t'ai gagné mélodie hein, particulièrement Christophe t'est venu avec parole yo. Et tout le monde mettait de paroles qui mettait des lignes mélodiques. Maxence fait des on nous dit des émulations de vaccins avec flûte hein. Et puis voilà et puis nous décidé que nous allons enregistrer mais enregistrer là c'était un autre problème encore et Raoul t'es gagné oui Raoul t'es gagné un mini studio qui était fait à cassette à l'époque. Et donc, monsieur dit nous, bon, pas de problème si nous voulons essayer de monter un démo, nous sommes capables de monter la caméra à Alfeli. Et c'était, là, nous montons à Alfeli et nous avons goûté avec la musique, nous avons goûté avec la musique, mais clairement, et puis, bon, nous avons mes amis Raoul, passé dans le cas là, il s'agit de Mouchi Widmaier. Et nous avons dit que Mouchi paraît tout instrument suspend parce que nous dit bon, nous ne pouvons pas humilier tête noire alors que Mouchi paraît dans le cas là. Et Mouchi dit non, vous m'avez donné ça à faire, vous m'avez donné ça à faire. Et puis, Mouchi tendait, je dis bon, écoutez, il y a l'autre à quoi dans la musique là, ok, puis il y a l'autre façon qu'on est capable d'exploser à quoi nous disons. Comment vous faites ça? Et patiemment, pendant que monsieur t'a passé, monsieur passé, et puis monsieur montre nous, mais qui s'est capable de faire de suppléments pour que nous rendions la musique là plus belle. Et donc, ma besoin, à l'époque, pas de caméra, pas de bonne, etc. Nous obligés à prendre tout ça, je fais à par cœur. Et à ce moment-là, on a repris la chanson et Bobby Denis d'Audiotech nous a donné une opportunité énorme. Je fais un enregistrement pour nous, côté, nous n'avons pas payé un goût pour lui. Et il nous a permis d'enregistrer ça. Et on était tout contents, on a présenté notre chanson, mais dans l'espoir d'être gagnant. Voilà. Ah oui. Voilà. Mais c'était sans compter avec quantité de talent que tu as dans le concours. Ça, c'est un bail exceptionnel. Et on a terminé 7e sur 309. C'est pas mal quand même pour le premier bail. Mais, oui, mais le nous garder, mon qui premier, je t'assure, Tchéita. Nous pas dans le même niveau. Le niveau. Nous d'accord. Haïti, chérie, ou voilà. Moi, c'est mon tout ensemble. Ça, c'est Sidon Joseph. C'est bien ça. Alors, dans notre petite note, même si vous pas chanteur ou dis nous pas chanteur, qui est vive Haïti, chérie, même si la paix. Même si la paix. En nous travaille. Voilà. Mais c'est-à-dire, certes, Sidon Joseph gagné, mais moi-même, le matin des musiques qu'on chante. Et American Airlines chante J'aime Haïti. Moi, j'ai l'impression, c'est pour moi, m'a parlé, même pas c'est ça qui est valable pour tout le monde, pour un pile monde en tout cas. J'ai l'impression que c'est la plus belle musique que j'aime faire dans le pays. Je ne sais pas comment ça fait ça, non. Je ne sais pas comment c'est parce que j'ai un pile expression, l'amour pour Haïti, même j'ai l'impression, même si toute musique ça yo, qui est sortie, j'ai l'impression que c'est la plus belle musique Haïti, j'aime connaître, j'aime musique que j'aime faire. Je ne sais pas si vous sentez ça tout même. Écoute, c'est ton moment particulier, c'est ton moment que Haïti pas déjà mon connaît depuis 30 ans. Faut comprendre que c'est ton moment politique important tout. C'était ton moment d'espoir incroyable côté que tout le monde pensait que le pays a vraiment finalement après le décoller. Après le départ voilà. De Jean-Claude Duvalier au pouvoir, qu'on pays a été connaît en période d'une trentaine d'années de dictature entre le père, Papa Doc et le fils. L'espoir était donné, d'ailleurs, nous avons gagné une chanteuse qui s'est participé en pile. Non, fait espoir, ça a donné en la personne de Jean-Michel Dodier, qui était un pilote. Absolument. Mais nous connaissons les mêmes qui combat avec texte et avec musique qui s'est mené. Donc oui, c'est ton moment d'espoir. Donc, ça a été un moment pour nous lâcher que yo. C'est clair. Donc, c'était vraiment... Et c'était une éclosion. Mais le bail qui était gagné, tout, c'est que... Bon, à tort ou à raison, OK? Il était assimilé qu'on part à musique, on nous dit, régime du Valier, OK? Et c'est, pour moi-même, c'est un erreur. Parce que, on nous dit... Groupe qui était plus emblématique de régime du Valier, on nous prend Bossa Combo qui était on dit le groupe par excellence de Jean-Claude Fassi, c'est un peu le monde dit, mais surtout des textes
et Bossa Combo et Wapman était tout comme un nègre te fait jouer musique ça pendant qu'il a fait fête pour Jean-Claude. Donc, c'est écoute, mais c'est dommage. Jean-Paul Patrick Gadon a dit, alors. Bon, voilà. Ou bien peut-être pas comprendre ça que tu as pas joué. Comprendre. Voilà, peut-être. Mais je pense que, écoute, ça va en éclosion. Côté que, faut comprendre, tout est un mélange. Tout. En 85-86, c'est l'époque où Compas a perdu l'hégémonie dans le Caraïbe. Côté que Gongou qui est les Kassav, qui viennent tout chambarder, tout bagaille. Mais qui mènent l'autre bagaille. Ils montrent le monde qu'avec des sonorités modernes et au mélange avec, on dit, folklore martinique et guadeloupéen, etc. Mais qui s'accueille au Cap-Fait. Avec des techniques de production nouvelles. Il y a plusieurs monde qui c'est fait en Haïti tout. On a parlé du groupe Zéclair qui était venu avec une même démarche et un groupe même Jassacade de Feu Nicole Lévy qui était fait un petit peu même bagarre là tout pendant la période ça. Donc là, il y a eu une institutionnaliser, mais il y a eu faire une espèce de démarche côté que vous demandez tout le monde parce que c'était parti concours tout. Il était dit faut côté utiliser des instruments du terroir. OK, pour capable participer dans le concours. Je pense que son démarche qui était intéressante et qui est intéressante jusqu'à journée aujourd'hui, je pense que c'est lui-même qui vraiment vient développer sa curie, nouvelle génération, hein, tout, vous comprenez. Et vous regardez la quantité d'artistes qui viennent paraître à partir du concours. Ça, son bar est phénoménal. Vraiment incroyable. Alors, je fais une parenthèse, mais je vais faire maintenant qu'à continuer sur le parcours avec musique. Je connais que ou même tout organiser des concours de jeunes talents. Mais avant, parlez-nous de ça organiser. Moi, pas dans le pays, je ne vais pas être trop critique, mais moi, j'ai comme l'impression que, façon concours qu'on fait avant, l'on a regardé concours chanter Noël dans Télémax, façon concours qu'on fait avant, qui demande des productions très personnelles, côté mon chita sous composition, chita sous texte, li, tout ça. Moi, j'ai l'impression, là, si ça m'a dans quelques jours qui sont passés là, c'est pas trop ça, c'est plus des interprétations qui fait journée jeudi. Hein. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que aussi, si c'est vrai, moi, j'ai envie de dire, c'est malheureux, parce que ça vient quasi, on t'a parlé de créativité, ça a cassé créativité, donc production. Hein? Et si ce n'est pas vrai, qui ça fait, journée jeudi, hein? Qui était un petit peu, faut que nous évoluions, hein? Mais qui était un peu dans la lignée qui était bail tout artiste, toute qualité, maman Pemba, artiste pays, t'as gagné dans l'année 80, en fin année 80, avec après, avant et un peu après le départ de Duvalier, qui bail des mouvements racines extraordinaires, avec des artistes extraordinaires, des textes, des musiques extraordinaires. Qui ça qui fait journée aujourd'hui, hein? Ou même qui te suivent, qui te participent, pas seulement suivre, qui te participent dans un gros mouvement ça, hein? Comment on va s'apporter le journée aujourd'hui, hein, en pays? Hein? Jodi, Mamjou, il y a très peu d'entreprises, on a dit privées, Cancou, American Airlines ou bien Digicel, qui supportaient des concours comme ça. Et c'est dommage. Maintenant, teneur concours là, et Mbradjou, pour qui ça, est-ce que vous venez faire comme ça, c'est une question purement économique. OK? Tu as des qui des sound systems qui fait au niveau de la Jamaïque, côté que tu as des producteurs qui fait on chante. Et puis, il peut même chanter un côté que le distribue, et puis il fait plusieurs artistes différents, fait une mélodie, un texte différent. Donc, nous avons adopté un petit peu sous les techniques ça pour nous faire un concours qui est le Soleil Sound System. Je suis d'accord avec que les gens ont limité la capacité artistique. Là. Mais en même temps, ils montrent richesse qui gagne même dans la jeunesse, nous, côté que vous proposez. Sous le même thème, vous proposez, Mabdou, premier concours sur les sound system, nous avons 3 000 versions différentes de même chanté. 3 000? Wow! 3 000! Et imaginez quel problème ça a été pour que nous-mêmes nous t'ayons départagé. Et nous t'ayons obligé de mettre un vote populaire avec SMS, etc. Mais moi, pensez, même j'en avoue que on nous dit, concours là, Jean que l'été fait au niveau American Airlines, il était beaucoup plus riche, il était permettre beaucoup plus créativité au niveau de différents artistes, etc. Parce qu'ils mettent tout le bagaille. En même temps, c'est un bagaille qui prend
en pile temps, en pile logistique, il m'a demandé en pile vision tout. Et je pensais que moun sa yo te bon vision, m'a parlé d'Eric Boussicot, de Ralph Monsi, de tout le monde qui était librement, il faut comprendre ça tout, c'est pas ton bail qui nécessairement te gen kobla nan à l'époque, c'était des moun qui vraiment bail tant yo et qui bail cœur yo. Et l'on regarde l'étalage, moun qui t'a jugé concours ça, c'était bien entendu Moshi Widmayer, Ralph Monsi, Maestro Raoul Guillaume, Franck Etienne, et j'en passe. Donc, vous imaginez, là, on est à l'âge de juge, comme ça, quand vous jugez des jeunes qui viennent, c'est son combat qui faut une chair de poule, hein, finalement. Et maintenant, oui, il y a des gens qui ont essayé de faire des bagailles, mais tentative beaucoup plus difficile qu'au lieu. Pour qui ça? Parce que le marché a changé, façon que par exemple, faut faire popularisation concours, là, etc. pour juger. L'autre jour, aux amis Mbito Vaoba, et après tant d'années de carrière, je suis lancé un concours, côté que Moun a chanté, chanté pas lui. C'est une façon pour me exposer des talents, et me exposer des talents. Mais ça pour faire promotion concours, là, je dis, sur Internet, avec ça que vous avez fait. Et le Haïti en 1986, par exemple, t'es gagné 6 à 7 millions de monde, c'est deux barrières complètement différentes. Barrières beaucoup plus coûteuses, je dis. Ironiquement, malgré Internet, il demande plus d'énergie. Il demande plus d'énergie, je dis, que il demande longtemps. Il aurait cru. Il bon. Donc, nous sommes en 1986, musique, officiellement créée. Est-ce que vous avez dit ça comme ça? Oui. Même si nous faisons une grande performance. Ah bah, officiellement, avec cette performance, musique créée. Et puis, partant de ce morceau qui présentait, qui est septième pour 309 dans le concours American Airlines, qui ça n'a pas été? Et même, malheureusement, c'était l'année de toutes les cassures en Haïti. Tout. Et c'était année philosophie, moi-même. Et moi-même, j'étais supposé à la faculté des sciences, mais rapidement, j'ai réalisé que l'année l'université, je n'ai pas même capable de faire. Le mois, où on est, octobre, novembre, pas un cours, c'est volé, n'a volé caoutchouc, on a rentré dans la classe, etc. Et grand-parent m'a décidé, il dit, mon cher, on va aller aux États-Unis. Et c'est comme ça que moi-même, je suis allé à l'université Maryland. Donc, vraiment, je m'a braché, mais je m'a quitté monsieur derrière. Et en janvier 1987, malheureusement pour moi à l'époque, je suis obligé de quitter. Et je m'a quitté monsieur EDR, côté que yo été pour au prince. Et au fur et à mesure, malheureusement, groupe là, Antigen, chaque monde fait route par yo. Kevin, gradué, je suis lui-même là dans la faculté des sciences, pour au prince, peut-être 2 ans après moi. Il m'a dit qu'il était en Haïti, Maxence lui-même, qui était en France, Christophe émigré vers le Canada. Donc tout le monde vraiment. Écarté, même avec Keke, je crois que c'est nous deux seulement dans le groupe là qui étaient vraiment dans le monde musical là. Et moi-même, je continue à faire musique avec différents artistes. Keke lui-même, t'a eu plus de chance passée à l'époque parce que maintenant, c'était le début d'Emeline Michel. Et Emeline Michel, t'a eu un groupe de choix, c'était les frères Widmayer, Joe Scholl, et Keke était à la guitare dans le premier groupe ça, qui t'a pas accompagné Emeline. Et moi-même, j'ai une opportunité en or tout en 89, c'est que j'ai écrit un titre avec Emeline qui pourrait lancé carrière, il m'a écrit musique flamme avec Emeline c'était vraiment jusqu'à aujourd'hui. Hein. Emeline sont grands amis pour moi, c'est un concert pour moi, mais que l'idée ben opportunité ça avec Ralph et personne pas de connaître. Il dit moi écoute, d'ailleurs mais on chantait à la manière de Marvin Gaye, Let's Get It On. C'est très ambitieux, par contre mon musique même avec Let's Get It On, et puis me fait le temps des deux trois bagages, et puis il flashait sur une forme de à l'époque on travaille avec un groupe qui est Stackage qui s'est mis en mime. Et nous faisons un paquet de maquettes, et puis il t'en dit on dit moi mais ça, il me dit écoute pas de problème, et puis mais en 2 heures, et Ralph dit on va plus rien dans ça, c'est pour en 2 heures. Oui. Le titre. Pour qui ça c'est où il t'a choisi? Il t'a senti tout bon bagay pour dire dans moment dans avec chanter ça. Comme dit, nous t'es encore une fois moi
Moi, j'ai travaillé au Jotec en pile et Ralph, c'était le grand protecteur de jeune musique là tout. OK. Et Ralph, monsieur, ouais, on bat un homme, vous comprenez, monsieur, vin la carrière. Mais à l'époque, à l'époque, j'aime dire, j'étais venu malade de studio, j'étais fou comme dans toute session gagnée. Ça veut dire que moi, j'ai travaillé avec Emeline, j'ai travaillé avec Bookman Experience, j'ai fait un album avec Michel Martelly, j'ai fait un album avec Scorpio. Donc, j'étais un petit peu partout. Au moment où j'ai produit vraiment, enfin, produit. J'ai fait musique avec, allons dire, tout le monde, l'âge, j'ai fait musique avec Jimmy Jean-Félix, avec Boucanguinet, à l'époque qui va commencer. C'était vraiment une période d'intense collaboration. Et puis, il dit, ouais, m'a fait, bah, ça. Et puis, il dit, mon cher, écoute, je pensais que c'est avant que nous vivions la musique. Ça n'a pas de mon idée sur ça que musique là, hein. Ça veut dire que dit attendez, ça que moi fais. Hein. Et il composait texte basé sur ça que moi fais. Hein. Mais ça s'est passé en 1 ou 2 heures de temps. Et le lendemain, dans l'enregistrer, avant que je prenne l'avion pour me retourner aux États-Unis à l'étudier. La même journée, c'est-à-dire que nous passons 2 heures de temps, encore une fois, au mythique studio d'Audiotech, 6 heures du matin, aller. On pas de penser à mettre un petit cabane dans le studio, ça, parce que me semble qu'on passe en prise dans la Je glace. n'ai pas même besoin de carbone parce que tu es un tapis. Je n'ai pas besoin de qui est un tapis ça. Et je n'ai pas 100 pile sous tapis ça. Ça, c'est clair, c'est clair. Mais écoute, c'est ton passion, vous comprenez? Ouais, son patient qui a suivi Le les seul exemples. dommage que moi-même me passé, moi, c'est un studio qui est aussi mythique que studio ça, qui tournait malheureusement au dépôt du jury, je veux dire. Et moi, quoi que son côté, oui, et son côté qui était doué, dans tout pays normal, faut que t'es immortalisé dans ton musée, d'après moi-même. Dépôt du riz. Oui. Comment Malheureusement. est-ce possible? Voilà, c'est même. Voilà. Et c'est malheureux, mais c'est réalité à ça. Ça veut dire qu'au monde même, Audiothèque? oui. Au monde même, j'ai avec Robert Denis, qui c'est architecte musique haïtienne depuis 40 dernières années, ça. Pas quoi que c'est comme ça que le temps, mais que l'œuvre a terminé. Surtout que c'est pour moi-même, c'est la source. C'est un côté qui baille musique haïtienne depuis l'année 1972-73. Tout ça que le ça veut dire que c'est, je veux dire en anglais, the soundtrack of our lives, vini de côté ça. Et quelle que soit musique, là, on a parlé de musique et de revendication, ce qui tombait, qui était assez dangereux pour te faire à l'époque, c'est là le souci. Musique compas, musique, on dit jazz, fusion, et musique classique, là, musique classique haïtienne, en pile là dans c'est là basé. Donc, c'est vraiment malheureux qu'un côté aussi mythique que ça ait terminé comme ça. Ok, Oh. bon, sur ces mots, je reviens sur musique, parce que c'est quand même déstabilisant. Donc, avant que nous parlions sur l'album-là, on commence à travailler en collaboration avec d'autres artistes, donc on travaille avec Emeline Michel Absolument. et sur musique Flamme. Oui. Donc, une petite question que je me posais là, qui peut chercher compte, qui, ou d'où pas chanteur, ou c'est musicien, comment on va choisir chanteur dans musique? Ah, Parce ça qu'il c'est. faut qu'on chante quand même, Bon, les notre Mbadjou, nous là. t'es musique gain chance. Ça veut dire que le premier album que nous pourrons le faire, nous pourrons le faire un album pendant que moi l'autre bon. Et moi, en 89, nous décidons que nous avons des musiques extra que nous avons fabriquées, qu'on croit que nous pourrons le mettre ensemble. Mais forme d'où nous venons des autres collaborateurs, le Mouri et Maryland, côté m'a étudié, moi joins 11 amis, qui est les Frenzy Piquion, qui te gagne même vision avec moi. Frenzy, malheureusement, pas avec nous encore. Et monsieur dit, monsieur encouragé pour nous faire album. Non? Mais bien entendu, monsieur te gagne bon voie lui-même, même monsieur pas voyager retourner en Haïti. Et nous tombons sur vraiment un artiste incroyable, et jusqu'à ce jour, c'est quand qu'on ferait pour nous. Il s'agit de Gary Didier Pérez. Okay? Et Gary Didier Pérez, t'es prêt par la suite, vient chanteur du groupe Zinglin.
et Gary et avec nous dans où était côté que nous t'es entré, nous fait on était n'a fait fête de salon, mais n'a joué et nous composé plusieurs bars ensemble. Et puis mal en studio, on a enregistré Gary, etc. Mais c'est un disque que nous fait, Mabdou, honnêtement, c'est un disque que nous t'es fait juste pour nous marquer passage. Nous, pour nous même c'était peut-être premier et dernier disque que nous t'as fait. Donc nous Oui. fait disque là et ma bonne avant nous fait disque là, on a pu imprimer 1000 exemplaires de ce disque, c'est tout. Et des 1000 exemplaires, quoi que m'a une bonne dizaine qui l'a quand même toujours. Donc nous t'avons fait cadeau, mais c'est un disque, un vinyle Voilà, c'est ça, qui madame. vaut son pesant d'or. Moi, je suis sur eBay l'autre jour pour 184 euros jusqu'en Russie. Je dis, comment on fait? Comment on en Russie fait un album ça alors que c'est 1000 Il dollars? y a plané là-bas. Voilà. 1000 albums, 1000 exemplaires de premier album Farinaï, ou un album qui fait, bon, disons, bon, on marque notre passage. Et puis, alors, premier album, ça l'a sorti en 89, si Oui, pas trop fin loin, 88, 89, 89, c'est ça. 89, et puis, 5 ans plus tard, elle a non seulement pris un goût, monsieur, et nous avons un bon chanteur, nous sommes jeunes, Gary Didier Pérez. Par hasard, vous voulez dire que lui avec nous, mais nous pas prêter là. C'était complètement par hasard. Et Complètement. nous rencontrer Gary parce qu'on a fait musique. Femme d'où que nous t'es. Alors, t'es un club dans Pétionville là, et qui t'es les bateaux fous. C'est là que Mano Charlemagne t'es conduit. Et chaque fois que Mano jouait, et tout le monde qui aime la musique et qui aime Mano allait retrouver là. Mais en même temps, il y a plusieurs musiciens qui étaient retrouvés là. C'est là que nous rencontrons Gary. Et Gary était un petit trio. Et nous disons, monsieur, on a bien aimé faire musique ensemble, comme ça, sans engagement, quoi que ce soit. Puis, monsieur, nous font été, nous avons joué différents côtés, n'a pas plaisir, nous. Et puis, nous décidons de pas l'enregistrer. Et si bien que nous avons une musique que nous faisons, qui est les pas quitter l'allée, qui t'en compas. Et c'est la première musique que le groupe Zinglin a nous dit exploser avec lui. Parce que Gary t'a chanté, donc tout le monde était pensé que c'est vraiment le groupe Zinglin qui t'a fait. Mais en fait, chanté a Ah. déjà daté de moins d'un an avant ça. Mais écoute, moi, je viens de repartir encore. Donc, tout le monde fait route encore. Donc, album, non, écoute, t'es bon succès. Mitigé. Ouais, plus que midi. Alors, mettez gain tout bagage sur l'album, ça. Ça veut dire que nous te mettez tout le monde que nous aimons jouer sur l'album, non, bien entendu. Et nous mettez Vous beaucoup. faites plaisir en gros, en quelque sorte. Certainement, certainement. Donc, nous mettez Bookman Experience, jouer sur l'album, non. Beethoven, Oba, jouer sur l'album, Ça, non. Maggie Jean-Louis, jouer sur l'album, non. Sandra Jean, jouer sur l'album, non. Donc, vraiment, c'est un album côté que nous t'as plus pour plaisir, nous, qu'autre chose. Mais c'est un album côté que nous marquons tant pour nous dire, OK, mais qui ça que lié? Mais entre-temps, qu'il y a, chaque monde vraiment prend route, yo. Et moi-même, à l'époque, moi, j'ai une opportunité extraordinaire, c'est que moi, j'ai rejoindre Tabou Kombo. Et moi, pas passé à peu près 3 ans avec nous. C'est une occasion vraiment douloureuse qui fait que mal aux jeunes nègres parce que leur claviériste a été assassiné. Et c'est une longue histoire, mais peut-être 2 ou 3 jours après, j'ai reçu un appel pour m'offrir pour mal rejoindre Tabou Kombo, ce qui était créé là, quand même, imagine, un paquet de discussions, etc. Surtout que ça que je ne pas dire, c'est que là, quand même, puis nous, c'est fanatique Tabou Kombo, mais nous, tous les 3 l'autre, c'est ce qu'a cherché à nous. Mais, donc, c'est une éternelle bataille dans toutes les familles. Mais écoute, en même temps, monsieur dit, mais écoute, à l'âge qu'on gagne, à l'époque, j'avais 21 ans, je dis, mon cher, sous pas. Ou par contre, pour le mari dans pied table, sous pas prendre décision, ça, sous pas dégage ou prendre chance, ça, ou regrette ça toute vie, même si tu as raison. Et vraiment, je passé 3 ans, côté que finalement, je comprends qui ça que marché musique haïtienne, et avec, allons dire, si ce n'est le plus grand, mais l'un des plus grands groupes qui ait jamais fait la promotion de la musique haïtienne, et voilà. Oui, Voilà. famille, on a un plus grand groupe qui marchait, qui Ah! mène la musique haïtienne dans très très loin, Tabou Kombo. Absolument, Donc, absolument. 3 années, on va passer avec Tabou Kombo. Est-ce qu'on arrive à enregistrer des albums avec eux? Oui, absolument. Moi, fait 2 albums avec eux. Il y en a un qui est les Zap Zap, que moi rangé. Il y en a un qui est les Go Tabou Go, que j'ai fait pendant le départ. Et moi, vraiment, 3 années exceptionnelles. Côté que, écoute, moi voyager
tout côté. Mal, c'est la première fois que je viens en France, par exemple, c'est avec ta Gombo que je viens en France. Je suis allé combien de fois, bien entendu, dans l'arrière-cour d'Haïti, je ne peux pas dire ça. C'est pour gros péché m'a fait en parlant des Antilles françaises. La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, ça c'est tombé. Et les pays d'Amérique du Sud, etc. Fait vraiment. Des expériences formidables en termes de travail, mais tout, mais je suis scène avec des groupes, Ismaël Lo, mes amis, tellement. Mdabdi à Astudji Berto, Louvre, tout à Combo, à SOBIS à New York, et moi, ouais, Astudji joue devant, c'est un bail vraiment exceptionnel pour moi. Ordinaire, De ouais. jouer avec les Wailers en Italie, etc. Fait vraiment des bagages d'expérience. Une patate, j'aime quoi que moi-même, je tape sous la même scène avec un série de monde comme ça. Et Ouais. c'est vraiment un grand honneur. Mais ça que me tire de bagages, ça, tout, c'est que c'est vraiment une institution. Hein. Et tout le monde qui fait partie de lui, par exemple, il y a un monde qui est de même génération avec moi, qui c'est Ralph Condé, qui part dans le groupe là, là, mais chaque fois que nous parlons de Tabou Combo, nous sentons que nous sommes dans même l'école. Nous avons Ouais. fait musique avant Tabou Combo, ouais, et nous retrouvons sur scène dans Tabou Combo pour 50e an, alors que nous pas jamais joué ensemble dans le groupe là. Ouais. Et c'est vraiment, et c'est des nègres que je remets avec tout cœur, et je remercie encore. Émission ça, du fait que vous permettez un petit bambin 21 ans et faire un bel parcours comme ça avec eux, mais ça l'ouvre l'esprit. C'est ton bail. Bon, ouais. C'est une plus belle expérience, Fabrice Rosier. Certainement. Et moi, chéri, un pile, et je gagne de bons souvenirs de ça. Et moi, ça me fait partie de mon fratrie, en fait. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Autant que création musique-musique ou bien plus? Non, non, certainement. Il n'y a pas qu'à retirer musique. C'est plus pour famille. Non, 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 pas chercher le compte, mais informe-nous que Tabou Kombo connaît que musique, ça fait partie de fratrie à tout. Vous comprenez? Ça veut dire que non, non, c'est vraiment une famille musicale. Ouais. Voilà. Alors, deuxième album musique de guerre. Ouais. Alors, pour qui ça de guerre? Parce que quand même déjà, vous aurez mis presque 5 ans avant de le sortir. Ok. C'est pour impressionner. Bon, nous pas de temps, nous, mais pas équipés, nous en forme là, Non, d'ailleurs, pas nous du tout, de pas guerre. du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Son l'autre opportunité, comme nous, là, ça m'a fait graduer de collège et mon compère qui vient de jouer à Miami, il me dit, mon cher, on a passé, écoute, là, ça me défait jouer au travail, etc. Je travaille, monsieur, vient pratiquement dit, moi, que m'a perdu du temps là. Et on retourne à Haïti et nous allons former un groupe de musique. Je me dis, monsieur, mais qu'est-ce pas bien entendu. Et en Haïti, on a parlé de période de l'embargo. Haïti, non, embargo, est-ce que mon de musique que vous allez décider? Je dis, c'est justement ça. Pas un grand monde qui joue musique vraiment en bas. Il s'agit de Sweet Mickey, vraiment, quoi que cargo alternative. Je me dis, monsieur, bon, ok, pas de problème. Sous cas, bon, mon expérience qui. Allons dire, similaire à ça que me fait vivre dans ta boucle, moi, m'a tourné, m'a vu. Je dis que l'on fout dans toute tête. Quand on voit le jeune, ça va exister. Bon, long story short, je me retourne en Haïti par le biais, parce que me fait font un album à l'époque avec Lacolle et Tantan, qui est des premiers albums. Yo. Et je me suis dit, accompagner en Haïti. Je ne vais pas le aussi au Constantia, mais je suis allé à Haïti. Et nous décidons de remettre un groupe sous pied. Et là, nous décidons de remettre un groupe sous pied. C'était juste moi-même, on l'autre ami, avec Kéké. Et là, nous décidons, l'autre ami, hein, c'est un ami très cher, un ami d'enfance, nous, qui, encore une fois, joue batterie, mais je ne suis pas de batterie. Je suis un cymbale et nous t'ai joué nous refuge. Ils auront problème à cause des batteries, ça, oui. Oui, mais nous parlons, mais voilà, écoute, il y a nos vignes joines et refuge, quand on garagiste, ok, et monsieur Romain, et nous vignes bénéficier de circonstances, c'est que groupe Zinglin vient quitter Haïti pendant que nous-mêmes n'avons pas entré, groupe Zinglin vient de Miami. Et manager groupe Zinglin, qui c'est Carl-Henri Desmonds, que m'a salué d'ailleurs, et Carl-Henri dit, nous, bon monsieur, moi j'ai tout l'instrument là, maman, pour qu'ils savent que ne pas venir utiliser, etc. Mais on était trois. Et moi, j'ai chanté.
Ça va marcher. Quelqu'un essaie de chanter, ça va marcher. On n'avait pas du tout comme idée pour nous faire un groupe de trois nègres. Et batteur lui-même, monsieur t'as joué cymbale, monsieur t'as joué sur des anciens. Tom Batria, c'était des anciens pots de peinture qui étaient là. Donc, ben là, ton petit jeu difficile. Ils nous dit, bon, nous pas qu'à pour commencer. Nous, mais côté, nous sortis, nous font parcours quand même, un petit jeu difficile. Et mais nous, t'es bon boîte à rythme, etc. Et qui se pointe un beau matin à Rouge Joseph. Il n'a plus goûté à bouillir, que le compas qu'on est, et qu'il n'a pas sali des paroles et tout. Et Aous vient jeune, même je dis, je fais là. Je dis, bon, Aous, écoute, son petit bail, messe basse, n'a fait, je ne crois pas que vous mettez quoi, non, je dis, regardez, éteignez le tambour sous boîte à rythme, monsieur Vinali, débarque à tambour. Ben là, comme c'est sonné très bien, mais dans la tête, même dit, bon, nous pouvons même qu'on est côté, nous allons jouer une corde pour nous faire quoi que ce soit. Monsieur Pointel, même, monsieur Vinali, dans chaque répétition religieusement. Sous 3 jours, il se pointe, monsieur Méné, Choupit Jacquet, qui était un des plus grands percussionnistes de son temps. Même tout le monde connaît Choupit, il me dit, mais waouh! Et puis, quand il y a Choupit, fait même là, il me dit, monsieur, même, par contre, côté m'bral bon kop, monsieur dit, ça me besoin qu'on est comme mon bal payé, oui, écoute-moi là. Donc, le groupe se forme. Maintenant, nous essayons tout le monde que nous sommes capables. Bassiste là, Vinny, Frenz Emile, il se pointe. Monsieur lui-même, il jouait bassin très bien, mais monsieur bégué. Ça veut dire que monsieur plus pas qu'à chanter qu'autre chose. Il a dit, c'est bon, chanter qu'on pas bégué, mais monsieur lui-même, il bégué, même dans chanter, il bégué. Même la Donc, chanter. oui, voilà. Donc, nous avons un problème. Gars. Donc, nous on dit, bon, faut que nous avons un chanteur. Là, nous dit, faut que nous avons un chanteur. Honnêtement, nous fait deux, trois auditions. Nous avons quitté puis au passé, nous, toutes les gars, nous avons fait facilement. Monsieur t'a fait. Par contre, monsieur t'a fait 6 pieds 2, donc monsieur bouché nous tout dans le jazz, monsieur t'a chanté très bien, même monsieur t'a obligé de baisser pour le chanter dans le micro. Puis, bon, par contre, elle n'a pas de fin de passer entre nous. Allons, Et aventure. puis, grand moment, puis me dit, alors, forme de m'être fait fin faire, avant m'entrer, m'était fait fin faire album, Bitova, premier album, enfin, deuxième album, excuse-moi, qui est ici, nous t'a fait terminer l'avant que moi-même fini. Collège. Et puis, il me dit, mais monsieur, Bito va toujours dire, monsieur, que Mano, ben, ça, tout le monde regarde, il me dit, Mano, la guille, Mano, la guille, mon cher, Mano, on va rentrer dans l'affaire qu'on parle, etc. Il me dit, bon, monsieur, qui ça a coûté, nous? Un élève, monsieur, moi, les Mano, et je me suis rencontré, monsieur, une fois déjà, et puis, moi, les Mano, il me dit, monsieur, mon cher, mais ça n'a fait. Monsieur, dit, bon, écoute, comparti avec la vraie, moi, c'est pas bien, et pas, même bien, mais compas, même pas, ouais, t'as de vous dire ce qu'on va. Mais, viens chercher, n'a pas de quoi il s'agit. J'ai chez Mano et bah, la forme de Mano plus by blague qu'autre chose. Je ça, monsieur, tellement bon, monsieur, by parole, by vol, donc nous pas jamais répété. Mais l'homme, moi, bah, fini, me dit, Mano, mais c'est pas pour ça, non, c'est pas pour blague, non, nous venons parce que nous avons essayé de faire jazz. Et puis à l'époque, forme de nous, t'es un groupe, t'es un disque de Juan Luis Guerra qui était fait sortir, qui était relé, et la Birubina, au Bombara, Burbuja. C'est un gros titre, bah, etc. Mais c'est quand on bachata, mon sauf bachata. Et puis, monsieur a fredonné la fredonné. Et puis, moi, je jouais là, monsieur. Bah, si ça a pris un livre, il me dit, waouh, si on a fait un groupe bachata, t'as bon. Il dit, non, puis, monsieur, comment c'est chanton musique? Monsieur adorait les frères des gens. Et nous commençons à chanter musique, frères des gens. Il me dit, monsieur, ouais, pas si compliqué que ça. On essaie deux, trois, le bagage. Et puis, bah, la dérapé comme ça. Et nous composer des musiques. Il y a des musiques qui ont été composées. France, bah, si ça, il y a des musiques qui ont été composées. Nous disons, on a essayé d'aller dans le studio, parce qu'à l'époque, le studio était vide, pas de gain, un bargo, t'es quelque chose de bagage. Donc, nous avons une opportunité, allons dire que vide qui dégaine, t'es créé un espace pour nous automatiquement. Et puis, nous lancer 2 titres. Il y en a les danser plogué, il y en a les crimbem. Et puis, ça a été un peu. On nous dit, groupe là, prend. Et puis, bien entendu, nous font fête gratuite. Et nous font fête. Côté nous, voilà, et côté nous inviter tout le monde, pas nous pas entrer, pas de payer. Et là, pas besoin de jouer fête gratuite, si vous voulez, dans le pays qui pas gagné événement. Tu gagnes facilement 2 000 mounas dans le club là. Et puis, voilà, bien entendu, avec 2 000 de nos plus proches amis. C'était une soirée inoubliable, et puis bon, voilà, et puis groupe là. Et c'est ça qu'on fait le deuxième album, là.
Non, deuxième album, Navin, parle Vin beaucoup plus tard, Femme Doux. Alors, c'était toute musique qui fait ce premier album, c'est vraiment des musiques qui fait, allons dire, sur des tripes. Ça veut dire que c'est lancé dans le passé, nous font album, etc. Mais chacune des musiques que vous prenez, à part peut-être une ou deux, bien une que moi j'ai écrit pour Roselyne Laval, qui était une jeune étudiante qui était mourue pendant que j'étais dans le collège, et qui m'est un jour arrivé. C'est peut-être une de la musique, allons dire, moins, qui n'est pas du tout un compas. Et puis, moi j'ai écrit une musique avec Jean-Paul Lafitte, qui est ici enfin, qui n'a pas gagné pour avec cet album, non, mais que remplit le monde. Mais c'est tout, hein. Et nous pas vraiment aucune et nous des musiques pour vraiment faire qu'on ait album là, son musique qui pas même supposé sur album d'ailleurs, son musique que Keke écrit, ok, mais son musique que nous t'ai utilisé pour nous t'ai fait ça, pour nous t'ai fait prise de son, nous pas même jouer musique ça devant nous, son musique qui pourrait aller les nappes faire l'amour, ok, musique ça, son musique que nous t'ai joué comme nous quand on carnaval presque, etc. Et puis bon, musique là, c'est Bobby Denis qui va être nous, alors non, pas Bobby Denis. D'abord, M. Jean-Louis, qui était manager en groupe compétitif, nous. Qui dit, mais monsieur, nous avons musique, nous jouons chaque fois, moi, nous pas jamais. Nous pas mettre musique ça sur l'album. Je sais pas, musique. Je dis, ah, écoute, musique ça, faut qu'on mette le sur l'album, etc. Il dit, mais musique là, nous avons fini, nous pas besoin de musique encore. Bobby dit, mais monsieur, John Ball, l'album, t'en es musique. Nous faisons Bobby, t'en es musique. Bobby dit, écoutez, si vous la ralentissez un peu, que nous, va aller peut-être que la forme de musique. Nous dit, Bobby, ok, on va 2 heures de temps, en 2 heures de temps, on la ralentit, mais nous écrit le texte, et puis même. Une musique avec même un texte même à la fin. Il pas de texte, il pas de texte du tout. Musique avec mon green bay que nous prenons à Caribbean, c'est ça. Il fait oh, c'est ça que la musique a dégagé. Mais bien entendu, il était sur l'odontologie. Ok, d'accord. voilà, c'est tout. C'est tout. Eh bien, il ne faut pas trop préparer, bagailleur, parce que ça pis bon, anglais, c'est ça, nous va préparer. Il laisse ça, c'est histoire parlée dans la musique. Ouais, d'ailleurs, c'est ma comprendre. Tout comme on peut expliquer histoire, musique, musique. J'ai l'impression à chaque fois, c'est le hasard, à chaque fois, c'est un bruit qui arrive, un bruit inattendu qui fait Chaque que. fois. Chaque fois. Est-ce que ça va jusqu'au quatrième album? Est-ce qu'à chaque Ça fois, va c'est. pour chaque bagarre que nous décidons de faire, chaque bagarre que nous décidons d'entreprendre, c'est comme ça, c'est toujours le hasard qui mène nous là. Le deuxième album, c'est un album un peu douloureux parce que nous t'ai bon, nous avons l'impression nous t'ai un petit peu ivre du succès du premier album et puis t'es venu de mais des débats stupides et puis gagne qui pourra quitter le pays hein, parce que le pays a déjà tombé dans l'anarchie côté que nous vivons. On parle des années 80, 96 déjà. Et donc, Emmanuel quitte le pays, il est aux États-Unis, il va poursuivre l'étude li, à Porto Rico, il a retrouvé au New York, il a formé un autre groupe. Et donc, vraiment, c'est un album, et c'est là que nous allons rejoindre, allons dire, une étoile qui va venir nous rejoindre, mais qui va lever nous toutes. Et il s'agit d'Éric Charles, qui déjà était un artiste extraordinaire dans sa spalle, qui était déjà en carrière. Et par pur miracle, monsieur vient nous rejoindre. Monsieur vient nous rejoindre, nous te connaissons déjà. Et forme de samedi, nous te pour nous jouer Saint-Marc. Et Emmanuel Evardi, nous était absent, il n'est pas capable d'aller. Mais le bal était full déjà, enfin, tout quand tu étais vendu, donc nous n'étions pas capables de venir. Donc Choupit me dit, écoute, on va chercher Eric. Il me dit, oui, mais nous pas chercher, je ne suis pas jamais connu musique groupe là ou quoi que ce soit. Et donc, n'aller la caille, monsieur, m'expliquer, monsieur, le problème. Non, je dis, mais pas un problème, même pas qu'on nous musique dans le groupe. On dit, monsieur, comment ça passait de Koulia, de Nazon, d'Elma, à Saint-Marc, même jouer cassette là pour vous. Et puis, on a fait le jeu que nous sommes capables, on a essayé de sauver fait là. Nous, tellement, nous prions, monsieur, cassette était juste une musique de fond dans la machine. Monsieur, pas jamais apprendre rien du tout. Non. Binani Rivé, Koulia nous Rivé devant, quand il paye yo, dans le mi-temps, ville Saint-Marc. Eric Anik des moun gen tan envahi repè, c'était des kermes, donc c'était dans l'après-midi. Moun yon Anik ouè M. Desan, c'est pas Eric Charles que vous connaissez, mais c'est Eric Charles DP Express que vous connaissez. Oui, Yo prend M. Yo prend M. Yo pote London. Donc en fin de compte, c'est Eric Charles qui vini avec un paquet de petits messieurs
qui compte jouer musique. Donc, musique, là, c'est ton accessoire à Oui. Eric Charles. Bien entendu, monsieur, comment c'est chanter chaque musique, yo. Monsieur improvisé sur toute musique, yo, net, pendant 4 heures d'affilée. Chaque fois, une pi bon passer l'autre. Donc, immédiatement, nous dit, bon, ça, bon, définitivement, monsieur intégré le groupe là avant même que j'étais connu. Et puis, il reste là jusqu'à il y a malheureusement. Ouais. D'accord. Et monsieur, vraiment, nous fait tout bagarre ensemble. Nous Ouais. parcourir, nous partager toutes scènes ensemble, nous fait tout projet, par exemple, tout projet, on parle projet Tiffany, Bello, un pile projet Bitova, etc. Et monsieur était présent avec Kéké, avec nous, sur tout projet, ça. Et surtout au projet Haïti Troubadour là. Ah, ça, sans manque. Et ça encore, ouais, on t'a parlé de bail qui arrivait sans intention. OK? Et ça, c'est une tout. Nous, Chita, on faisait l'album qui parle venir les blackouts, là, pas de blackout du tout sous lui. On était composé toute musique déjà. Et Kéké, bien entendu, alors toujours mon compte, moi-même, à Kéké, comme nous, même si nous, moi-même, je suis à mort, mais nous, toujours, frapper tête, nous. Je viens avec une musique, une fonte musique d'amour, etc. Avec une guitare, que le fait qu'acheter une petite guitare acoustique, etc. Et pour son malheur, il prend un courant, donc nous pas qu'à enregistrer. Et puis bon, l'homme, quoi que je me suis raconté le barreau déjà, même ses perspectives. Ah, ouais, non, même Abdou, monsieur, lui, même pareil. Et puis monsieur, mais me dit, monsieur, mais musique, ça, pour musique, non, nous pas font musique, troubadour, musique, ça. Monsieur fâché, on fâché, j'ai eu son bail tête chargée. Je me dis, monsieur, mais non, et puis couler, il prend le courant. Tout l'heure, courant, pas grand-chose qui a marché. Donc, c'est juste son piano que madame gagne, qui l'a. Et qu'elle lui-même gagne, il pète chacha, que madame l'hypothèque Cuba fait un cadeau. Okay? Donc, Roro, l'aîné, qui sont notre collaborateur, Roro commence à jouer chacha. Donc, n'a pas merdé, monsieur. Et puis, n'a pas joué musique là. Et puis, n'a pas pensé. Donc, nous dit, bon, ça fait date, n'a pas demandé. Courant Haïti ou pas jamais nous. Plutôt demande des blackouts, plutôt peut-être le demande des blackouts. Là, il y a bon courant. Donc, dans cette logique-là, était bien été un paquet de sous-entendus politiques, où on a parlé de monde qui besoin, où on a à l'époque été affaire de monde qui a voté dans fait noir, baba, l'aide, etc. Donc, blackout là, t'es venu vraiment mettre tout bagaille ça sur le tapis. Donc, nous décidons qu'on a fait une musique comme ça. Quelqu'un fâché, monsieur, pour guitare là, la calle. Je suis bon fâché, je dis bon, puis la musique, mais pour faire musique, là, mon nègre, nous, chit, nous, on fait blackout, on fait Shrewsbury, c'est nous qui sommes obligés d'expliquer, monsieur, qui est-ce que Shrewsbury, etc. Et puis, mon cher, bon, vers la fin de la soirée, je bats courant, moi, monter musique là avec le reste, enregistrement que je gagné. Et puis, moi, fais Eric Vigny avant quelqu'un. Je dis, monsieur, mon cher, n'a monté, bonsoir. Bien entendu, qui est-ce qui passait? Tout bas est fait, mon raison. Hans Peter se passait. Nous montrer, monsieur Texas, il y a un mot qui te manquait dans Texas. Monsieur Bonhomme, moi. Et puis, monsieur dit, nous mettons à changer tel accord. Nous changer là. Puis, quand il y a un mot, il dit, parlez-le. Il dit, comment parlez-le là, même. Il dit, monsieur, mais nous finissons la musique là. Monsieur dit, vous finissez la musique quoi? Il n'y a pas de musique pas moi. Il dit, monsieur, et pourtant, on va pas obligé de nous rejouer parce que le guitare là, t'es mal enregistré. Je dis, mon cher, vous fatiguez. Je dis, monsieur, moi, je ne suis pas obligé de venir quand même. De toute façon, le guitare, ça coûte. Peut-être que vous faites musique quoi, pas un problème. Mais je viens de venir le temps des musiques là. Je me garantis que je viens de temps des premières notes. Alors nous faisons des bails, nous tapons essayer différents. Mais vraiment, c'est simplicité là, avec courant, pour un bah, qui s'est passé. Puis musique là, sortie, je suis rejoué. Puis nous tous nous décidons que bon, vraiment, ça, c'est un son, allons dire, rénové. Et nous pensons qu'il était bon succès. Nous, les tout animateurs qui gagnent un Port-au-Prince net. Pour nous venir faire autant d'albums. Alors, il y en a pris l'autre. Tout nègre, unanimement, dit nous, ah, monsieur, nous, on a quoi, c'est musique, ça. Vague souli, ben, ça pape, je marche. Affaire, Altieri Dorival, Alti Paris, ça, vraiment, ça, ben, ça pape, marche sous le monde, vraiment. Si t'as un compas, nous, qu'on fait compas, mais ça va. Il va marcher. Même, moi, tenace, un pile. Moi, prends 2 CD. Météo, moi, descends à Radio Métropole. Maloué Daniel Maslin. Il dit, Daniel, écoute, mais une musique que nous faisons, nous pensons que son musique, mais ça que je dis d'ailleurs dans la musique.
Je dis que lui pas marcher du tout. Mais essayer là avec une audience qui peut-être puis éclairer. On essaie la audience. Je dis, mais Fabrice, comme je dis, mon fils, je dis, mon fils, on va le faire tout de suite. Monsieur a joué musique, c'est une première fois, ça a fait dans l'émission Daniel. J'ai joué musique là 3 fois dans l'émission. Même Negio, qui t'a coulé à quitter, dit musique à pas marcher, tout Negio, il est plus intime qu'il a, 26 dit musique là, besoin de musique. C'est classique. Donc le reste fait partie de l'histoire. Maintenant, nous prenons une deuxième musique que nous faisons sur l'album, ça qui est ça pour nous faire. Que nous fait parce que, alors, comme nous, c'est un cliché. Quand on musique Noël que Coupé Cloué fait, qui est les Triste Navidad. Et Triste Navidad, nous, pour Triste Navidad, que nous transformer en musique ça, que nous relais ça pour nous faire. Et c'était le deuxième petit troubadour que nous faisons. Donc, le nous fait, bon, tout logiquement, tout le monde vient à faire des versions par de musique troubadour. Et je viens en discussion avec mon ami qui dit, mon cher, comment ça passe? Musique 90, n'est pas aussi bon harmoniquement que musique 70. Je dis, bon, c'est peut-être vrai, mais il ne faut pas dénigrer musique contemporaine. Il est belle, peut-être que c'est trop synthé, trop bagarre, etc., qui vient là-dedans. Si ou dénudé, ou bien juste à quoi, ou que son belle musique, tout. Je dis, ah, vraiment, comme son musicien, il montre-moi ça. Mon cher, c'est comme ça que je commence à prendre des musiques. Et une des premières musiques que je prends, c'est musique Mika Benjamin qui t'est fait sortir, qui est où parti. Et Mika, t'es vraiment dans la genèse et carrière. Et puis, je me dis, mon cher, on essaie de faire la musique. Et nous fait le résultat que nous connaissons, qui c'est où parti. Mais nous, on sortir. Puis, mal, je viens de me dire, qui t'est fait faire la musique, qui est dit qu'il a nous parlé, nous fait même bal à côté que nous dénudons. Et puis nous partons avec, on pilote, on projet pilote comme ça. Mais on paquet de monde qui dit, ah, bah, ça va bien marcher, ça va bien marcher. Et au fur et à mesure, on a rassemblé la musique, nous rassemblé la musique. Le seul regret, moi, je veux dire, c'est que nous ne mettons plus de thèmes originaux. Femme nous, il y a des projets qui n'ont, allons dire, qui n'ont boîte, qui c'est des projets originaux jusqu'à présent. Mais, le reste, ce que nous parlons vraiment un succès, c'est que Moon commençait vraiment à voulait participer sous lui. Ça veut dire que, au lieu que c'est nous-mêmes qui avons les artistes pour venir participer sous lui, c'est des artistes qui ont voulu participer sous lui. Et par exemple, il y en a plus grand. Alan dit, mon cher, maintenant, de quoi font projet? Musique Troubadour, on va pas quitter maintenant un projet ça. Je veux participer. Sous nous-mêmes, Alan joue ça. Et monsieur, pour mon ticket d'ivoire, je viens en Haïti. Monsieur dit, mon cher, parce que c'est le futur là. Et I think that's la marché. Et voilà. Donc, c'est un peu l'histoire. Et puis, bon, bien entendu, nous partis, nous allons tourner en musique, et c'est tombé allons dire, c'était déclic là. C'est pendant que nous allons tourner ça, nous avons joué avec groupe favori, nous, qui est les New York All Stars. Et ça, c'est ton autre bar encore, parce que je joue ça, nous perdons deux musiciens qui étaient. Donc, musiciens New York All Stars, aidez-nous faire partie par nous dans la soirée. Donc, nous finissons jouer, et dans la fin soirée, nous vraiment complètement. Presque au bord de la crise de nerfs, et puis Tania Guérin, qui était 11 ans, qui était manager Karimi à l'époque, il vit une jeune, mais son ami d'enfance, et puis monsieur Mégoumoun qui veut rencontrer nous, il dit, là, dit avec plaisir, Tania, quand on s'amène, alors il y a côté de nous, c'était Jacob Devoy qui était là. Et Jacob dit, mon cher, et monsieur Mégoumoun m'a adoré, ça que nous faisons, particulièrement comme musique que nous jouons, qui est les Blackouts. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Je fais un album solo, mais essayer de faire une musique dans le genre qui est les Frozen Blues. Il dit même, quelle musique ça? Il dit oui. Il dit, mais moi, maintenant, il dit oui, mais pas aussi réussi que j'aime, moi, que nous réussissons à faire, on dit musique troubadour, clavier. Il dit, bon, venant de toi, son gros compliment. Je dis, mais nous, c'est ça seulement nous rien. Il dit, mon cher, c'est ta sécurité, comment ça, nous avons un projet comme ça. Il dit, bon, tendez. Nous le mettons dans ces machines, monsieur, sur chaque musique. Imaginons qui cher de production, mon gars, ou Jacob, je vais dévoiler, cap souquet, tête libre. Je dis, monsieur, et là, le fin de temps, je dis, ce qui s'en a fait? Il me dit, bon, nous pouvons laisser sortir. Il me dit, bon, mais même, il faut mettre ce projet ça. Il me dit, ça, ou même, il faut ce projet ça. Je dis, oui, qui l'a nous aller, nous avons descendu ici. Il me dit, bon, c'est habitant, nous avons visé la ville, t'as là, nous avons l'avion. Donc, monsieur dit, est-ce que je vais venir jouer nous mercredi? Je dis, sérieux? Je dis, oui.
Je dis, Tania, tu fais mes réservations mercredi. Mercredi, je descends, il enregistre la musique là. Et puis, je m'en ai une licence pour l'album. Le fait que je m'en ai une licence pour l'album, Jaita, vous comprenez qui ça, que ça fait. Voilà, Liban, une exposition qui était extraordinaire de par le monde. Et voilà, donc, c'est. Moi, on dit, j'ai un raccourci le boulot. Vous comprenez, parce que histoire, musique, mais histoire, Fabrice Pouzier, avec musique, c'est un bagage qui n'a pas gagné fin à mon humble avis. Parce que. M'a parlé de musique, et nous avons juste compté le nombre d'albums musique enregistrés, mais en réalité, Fabrice Rouzier n'est pas cantonné, d'ailleurs, depuis qu'on parlait là au début, il y a toujours une référence avec un artiste, parce que tu as participé d'ailleurs dans le premier album, Bookman Experience, et ainsi de suite. Mais même si nous t'avais dit, oui, musique, c'est 4 albums, si je ne me pas 6 albums. 6 albums. Albums. Et... Mais Fabrice Rouzier a lui-même seul. C'est des dizaines d'albums, non? Un petit peu plus. Et... Des dizaines. Combien chiffres? Non, Blanquim, combien liés? En 2006, on était compté 260. Oui. Yeah. Même si je ne peux pas me compter, mais femme de 260 ans, il y a une grande majorité qui va jamais vraiment, qui va jamais faire succès, allons dire. Mais il y a plusieurs qui ont des albums à succès. Donc, mais c'est l'âme d'Abdou, ce n'est pas nécessairement moi-même, c'est collaboration avec artistes, tout, mais c'est eux-mêmes qui ont une chance tout pour me camper des Vita, pour me diriger ou bien pour m'arranger en musique, etc. Donc tout ça, c'est vous, Abdou, c'est. Nous avons parlé au début de l'émission de l'influence, mais c'est ça qui c'est fil conducteur, là, vous comprenez? C'est que vraiment, j'aimais faire ça. D'accord. Donc, où sont-ils en cause? Parce que, alors, si nous faisons une recherche sur vous, et ça fait il toujours bien, en dehors de recherche, que l'artiste, je parlais de eux, Léo Capable, ils présentent comme un pianiste. Léo regarde un album, ils vont clavieriste. Mais en réalité, c'est son arrangeur, ou c'est un producteur, ou son dénicheur de talents, et ou c'est une multitude de collaborations, Fabrice Rouzier. C'est comme ça, la vie en tant que musicien y est. Moi, je pense que c'est ça la vie. Bon, moi, même pense que bon, mon paquet de titres là, par exemple, dénicheur de talents, moi, même pas. M'bala, ça veut dire que m'passe au contraire, et c'est pas de la fausse modestie, mais m'passe que c'est des rencontres fortuites, ok? Ok. Et m'pas quoi que m'déniche personne, m'passe que tout artiste yon gen talent par eux déjà. Et qui est-ce que m'daye, m'dame dénicheur de talent? Est-ce que m'capable dit m'aimer ça? Oui, m'capable m'aimer ça tant que m'aimer ça, mais ça pas veut dire pour autant que c'est moi-même qui c'est le pape pour m'dire mon cher, c'est un tel qui bon. Avec mon oeil expérience ou, au capable mettre talent ça, bon, ça fait que Rio des dénicheurs de talent, bref. Oui. Et au capable permettre à jeune artiste évoluer dans nos espaces pour qu'on ait lui. C'est peut-être pour ça que c'est aussi. Peut-être. Même pas, personnellement. Ça veut dire que pour moi-même, c'est un. Je pense que les réducteurs par rapport à l'artiste là. Okay. Donc, okay. Parce que vraiment, et moi-même, je regarde plusieurs là d'ailleurs, je regarde les chances que des artistes. Et pour tes bons, pour que je sois capable de faire ça, me faire que même ils confient mon talent, ils tout son paquet de bagages. Ok, ouais, son paquet à faire. Ouais, paquet de bagages, parce que son risque lié est énorme, parce que gagner le marché, gagner le pas marché, tout. Ça veut dire qu'il faut que nous on ait tout. Vous comprenez? Ça veut dire oui. La vie, c'est comme ça. Voilà, c'est clair. Donc, voilà. Donc, pas de nicheur de talent. Non, pas du tout. Promoteur? Non, même pas. En tout cas, vous permettez à un pile monde, un pile talent épanouir par expérience ou accompagnement que vous t'es joigne, que vous même proposer à jeune artiste ça. Moi, je pense que c'est comme ça le plus bon. Ça veut dire que ça qu'on joue,
you give it forward. Et je veux dire, voilà, ou passez ça que bah ou bah ou ça bon, pas un problème ma pote. Ça c'est une mission que je pense que tout le monde a dû gagner sur la TV. Bah c'est tout pour ne pas forcément ouais bagarre là comme ça non Mais t'as bon si tout le monde est ouvert comme ça. il t'a bon pile Il il t'a t'a bon. bon Il t'a pile bon. Fabrice Cousin me connaît non pas chambre qu'à parler assez sous parcours en tant qu'artiste sous parcours en tant que passionné de musique parce que j'ai l'impression que on pense au fait l'autre bagarre à côté. Mais par contre, combien de pourcentage musique là, que ce soit en production, en arrangement, prend dans la vie ou même pas, c'est justement le pourcentage que le prend, parce que nous te mettons parler toute la vie, penser passionné courrier, nous pas besoin qu'à finir parler de lui. On t'a dit, plus belle expérience dans la vie ou en dehors de musique, qui fait un groupe qui marquait toute ton jeunesse, tout ton pays, dans le moment où sorti. C'est tabou combo. Mais je pense que c'est une belle expérience tout qui l'a Oh, chargé, chargé, partagé, non pas chargé. partagé tout. Non, j'ai une expérience que je fais avec des artistes uniques. Par exemple, je regarde l'expérience que je fais avec Bello. C'est vraiment une expérience marquée, mais qui a marqué jusqu'à présent, parce que nous montons sur scène en pile. Jusqu'à présent, là, nous avons travaillé sur un projet Koulia, là. Et comme je dis, c'est vraiment, moi, pas juste mon collaborateur musicien, mais réellement mon frère. Et Bello, son nom que je remets en pile, non seulement comme monde, mais comme artiste. Et c'est l'exemple même de la résilience et de l'humilité et de l'éloquence aussi. Ça veut dire que Bello, tout ça, m'a même besoin de 75 mots pour me dire, Bello a besoin de 4 mots facilement, mais avec toute sincérité et tout. Et avec Bello, moi, découvrir un monde, on nous dit qu'il bataille pour arriver côté que lié. Hein. Et Femdou, le notaire au Cameroun à Douala, et que Bello remportait victoire là, pour Haïti, dans le concours RFIA, c'était victoire Haïti, bien sûr, mais c'était victoire PAM, tout. Et c'était victoire toutes les amies, moi, toutes les amies Bello, tout. Parce que c'était vraiment un combat, pas même dire un combat contre la mode, mais un combat contre le probable, parce que nous avons en face nous, des groupes des groupes splendides, des groupes congolais, et quand même des groupes béninois, monsieur comme Patrick Oufino, qui était dans le même concours avec Bello, c'est pas si à faire. Et pour jouer que monsieur lui-même gagnait, et dans une période, encore une fois, côté que Haïti a passé des moments très, très pénibles en 2006. C'était vraiment, et pour moi, je dis à carrière, monsieur, côté que Limen Ali, Bello, quand même les plus belles scènes. Et moi, voyager avec Bello, dans des côtés que je rêvais aller depuis un petit monde. Et m'aller au Brésil plusieurs fois, moi, je joue à Bahia avec Bello, c'est un des plus belles souvenirs musicaux. Et c'est un pays que m'affectionne en pile, moi, même musique brésilienne en pile, nous jouons avec des artistes. De grandes renommées de bois, et vraiment, c'est vraiment des expériences musicales inoubliables. Et pareil, mais t'as qu'à dire avec Bitova au bas, et ouais, et développement Bitova, et moi, depuis le départ, me collaborer avec de temps en temps, même que me partager. Et un pile temps comme ça, sous deux premiers albums, Le Chemin de la Liberté ici, et pour moi, côté album, ça arrivait, moi, songer par exemple, Bitova vient d'Haïti et que Boulo va le cours encore, l'autre monde encore. Et Extraordinaire. pour extraordinaire, mais Boulo, moun pas comprendre ça, mais Boulo vraiment râler Bitova m'aider sous scène avec Malavoie. Et c'est comme ça que Polo Osine invité Bitova participer sur l'album Mate Bissa, et c'est une bagarre qui était. Mais c'est des bails que nous participons sur eux. Ça veut dire que moi, je vis avec artistes, vous comprenez? Et ouais, carrière, M. Joudia, ouais, ça que M. Vini. Et pas aucun doute que Bidou va son talent immense, mais et où qu'on est leur témoigne, une série de passages comme ça, où elle nous parlait de Emeline, tout. Pareil pour Emeline, et vous comprenez? Depuis le bruit de la Réunion, depuis le Collège Saint-Pierre, vivait jusqu'à Joudia, à côté que.
Emi nan pataje la sen avèk Andrea Bocelli, ke l fè tout sa ke l fè, ke tout jèn fèm ki bezè chante nan peyi a, yo gen yon new model. Ou konpon, e mèm artist aktuel yo mwen fèk patisipe sou premier EP, Ta Fami Soleil. Et vraiment, m'a gardé un réservoir de talent qui est en Haïti, Richel Guillaume, idem. Mais forme de moi, j'ai une grande chance, tout que moi, j'ai un grand soeur, un musicien qui sait, bon, qui sont étoiles, qui sont icônes de musique, qui c'est Yol de Rose, qui a fait des marches, ça, depuis longtemps, tout. Et forme de moi, fait direction musicale là, conjointement avec Tiraoul, Denis, deux projets depuis déjà 5 ou 6 ans. Et vraiment, c'est un pépinière que la levée, c'est dans ce samedi où il y a des gens qui recevoir et puis qui transmettre ça que vous gagnez. C'est exactement ça que m'apprenne dans le contact avec les gens. Et c'est son belle bagaille. Si vous me parlez de belle expérience, vraiment, je ne pas que nous t'a campé, mais vraiment, toute expérience, c'est des bagailles vraiment qui était dans le cœur. N'a fait, comment dire, question. Réponse, question-réponse. Ou on vit parallèle en dehors de passion, ça prend un pile espace dans le Oui, absolument, absolument, absolument. Et moi travaille, moi fais, moi suis entrepreneur tout, et moi travaille dans une, moi associé dans un concessionnaire de véhicules avec frère Daniel et avec partenaire Jean-Marc Apollo. Et nous avons 282 collaborateurs, qui sont l'autre famille encore pour moi. votre famille. Voilà, donc, et qui permettent, moi, j'aime tout, qui encouragent ma passion et tout, et qui permettent, moi, et nourrir passion tout. Et qui très récemment, en fait, qui collaboration plus proche ou saute bien là, qui faut l'eau songer li ou senti ou revivre tant qu'au premier moment musique. Ah, il y a plusieurs, il y a plusieurs, il y a plusieurs. Ça qui pipe proche là, 36. hein? 36. Ah non, ça sont magas exceptionnels. Non mais écoute, ça sont rêves que, ça sont rêves que. C'est-à-dire que Dadou Basket, Atiko Basket, pour moi-même c'est, écoute, me songe j'aime d'abord raconter Dadou ça. Le dans le collège, nous avons une petite machine, moi-même en cousin, moi. Nous crasé Dash Machine, nous fait break McDonald's. Ok? Ça veut dire que nous tellement tapé sous Dash Machine, Dash a tombé une jeune. Donc, même Bradjo, mais c'est un groupe, moi-même, je joue à Dadou, je joue à Dadou plusieurs fois, nous faisons des travaux dans le studio, etc. Et maintenant, maintenant, son bail, écoute, pour moi-même, c'est parmi les tout meilleurs. Alors, pour amis, pour n'ap situé pour appeler me situer pour amis Haïti intérieur 4636 Oui, c'est c'était 46 ans, sixième. McDonald's et 36e anniversaire, ok? Et Bon. c'est. Donc voilà, nous t'ai fait une soirée conjointe New York avec McDonald's, à la demande de McDonald's. C'est ça qui t'est plus honoré, nous. Mais forme nous, là, nous pour aller pour nous faire fête là. Et nous dit, bien sûr, ok, avec plaisir, mais c'est comme si nous avons tellement de temps que nous pas de jouer. Peut-être pas nous pas l'assister au concert McDonald's. Et Dadou, avec Tico, ravise nous rapidement, il nous pas mal comme ça du tout. Et dégagez nous répéter, et parle nous audience sérieux là, faut que nous mettez nous sous benzène nous. Donc nous, l'équipe là au complet, ça fait longtemps que nous pas de jouer ensemble, donc nous, les tous musiciens, tous musiciens, sans compter, sans rater, une dit nous là. C'est à tel point que nous t'ai gagné deux batteurs. Ouais, batteurs encore. Nous t'ai gagné batteurs qui jouaient avec nous et qui c'est. Cette fois-ci, c'était de vrais batteurs. Oui, voilà. Non, mais des batteurs de tout, de première qualité. Il s'agit de Wolf, qui est le batteur du groupe Jakout, et de Nixon Son, qui était le batteur de Crazy. Coulia, nous t'ai gagné comme bassiste. Nous t'ai gagné deux bassistes. Nous t'ai gagné Josué Nazaire, qui est actuel batteur de bassiste du groupe La Femme. Et nous avions. Un ami très cher, Yves Abel, qui était avec moi au Tabou Combo. Donc, tu as presque deux de chaque musicien, sauf Kéké qui fait bon appart. Okay? Et nous avions les trois chanteurs de musique, Vardy Farrell, Gilbert Avix et Emmanuel Oba, et nous avions l'honneur ultime d'avoir en surprise Armstrong Jeune qui nous a
gratifié de sa présence. Donc, nous vraiment nous t'es paré, même femme nous, malgré que nous paré, hein, nous dit quand même c'est un concert Magnum Ben que nous allons assister, vraiment, parce que c'est fête, nous sommes contents, parce que c'est fanatique Magnum Ben, nous pour aller. Et première surprise, Magnum nous avise, nous dit, OK, pas de problème, on a paré pour nous aller, pour nous jouer, avant que, pendant qu'il n'y a pas trop de public. Et maintenant, Magnum Ben n'a pas clôturé soirée, et Dadou me dit, pas comme ça du tout. Vous, clôturer la soirée, je me dis, mais Dadou, écoute, c'est pas d'accord. C'est un nombre, je me dis, premièrement, comme fanatique Magnum, pas d'accord. Deuxièmement, il n'y a pas aucun sens pour que c'est anniversaire. Vraiment, joue date anniversaire, il faut comprendre. Et Magnum, c'est fêté jour la Saint-Jean, ok? Et 24 juin, ok? Et donc, c'est pas vraiment anniversaire. Nous-mêmes, nous considérons 18 novembre comme anniversaire. Nous sommes d'accord pour nous faire 46-36 ans, parce que nous avons 46 ans, nous avons 36 ans. Mais nous disons, pour toutes les raisons du monde, il n'est pas possible. Je dis, bon, et pourtant, on va faire parce qu'on pique. On va faire parce qu'on pique. Nous disons, pas de problème. Donc, on reste dans la scène, pas besoin de jouer en bien. Saint Magnum, mais on a joué, on a bien joué, les musiciens sont extraordinaires. On a fait un set qui est de toute beauté, comme à l'accoutumée. Donc, on a bien joué. Et puis, peut-être, et puis, comme si on a dit, on a sorti dans le rêve là, et puis, Tiko a annoncé, nous avons le dernier mois sur nous, la musique qui va jouer, nous-mêmes nous en bas, nous sommes dans le public. Ça nous va le faire là, nous mettons bagaille ça. Et puis, pas à notre surprise, mais honnêtement, nous ne pouvons pas attendre. Parce que nous avons un paquet de amis qui sont ensemble. Okay? Et une ovation, là même, le Tiko a annoncé ça. Nous dit, c'est là, Koudia, traque là, comment c'est pour nous. Nous, à le backstage, on avait déjà fait un plan, etc. Nous la prière. Et puis nous dit, advienne que pour, hein? Ok? Je ne te le donne pas. Nous commençons cette musique-là. Première musique, nous commençons à jouer avec un problème avec batterie. Donc, batterie, campé. Mais nous pensons que comme Simdadou, c'est un bail que nous faisons exprès. Et puis, nous commençons à chanter musique-là pour nous. Donc, nous faisons n'importe deux ou trois musiques qui a chanté. Donc, imaginez un salle en chœur qui a chanté musique. Bon, là, nous presque perdu. Donc, nous obligés de mettre les garçons sous nous. Et on a eu une des meilleures soirées que musique ait jamais. Et là, à partir de ça, Kobori, Koulia promoteur, commence à me dire, nous, faut que nous jouions ici, faut que nous jouions là-bas, faut que nous jouions ici, faut que nous jouions. Et depuis là, ça, depuis là, ça, ouais, donc depuis là, ça, nous avons joué autant que nous sommes capables, parce que tout le monde a une vie parallèle, ouais, dans le groupe. Donc, nous obligés de séparer fonction professionnelle, nous, avec fonction professionnelle musicale. Nous. Donc, mais c'est tout à l'honneur de Magnum et de promoteur qui te couennent en nous-mêmes, tout ça. Alors, Fabrice Rosier, qui a venu, puisque. Musique, c'est compas, Magnum Ben, c'est compas. Compas, c'était une musique, un genre musical qui était, comment dire ça, qui était gain lettre noblesse, li, qui vient faire d'une certaine manière avec changement dans population haïtienne, dans pays, avec des paroles en Côte d'Ivoire. Et puis, changement, d'autres changements qui viennent arriver. Nous, comme j'ai l'impression, en tout cas, moi-même comme observatrice, j'ai comme l'impression que soit son musique qui a pris sur place, soit son musique qui un petit peu a reculé. Ou même en tant que musicien, genre compas, mais qui ouvert à tout l'autre genre, comment on voit l'avenir compas en Haïti? Ça, c'est une belle question, Tchaita. Même Braljo, même genre avec Pessimistio, il y a peut-être 6 ou 7 ans, on était dit que compas, c'est un mode en voie de disparition. Pour qui ça, je vais l'expliquer très clairement, ça que je me dis à l'époque. Ça que je me dis à l'époque, c'est que le groupe compas était très âgé. C'est-à-dire que le dernier groupe qui n'était pas arrêt là à l'époque, c'était le groupe Karimi. Monsieur était déjà, allons dire, entre 35 et 40 ans. Lorsqu'il est entre 35 et 40 ans, jeune qui est entre 15 et 30 ans, il n'est pas intéressé à garder un nègre qui a 40 ans, car je n'ai pas identifié la lui-même. Donc, c'est pour ça que je me dis que mathématiquement, c'est un genre en voie de disparition. C'était sans compter sur la présence des femmes. Et yon bagay que compas direct là, il était un genre extrêmement misogyne, nous dit non pas peur dire non, ça veut dire que pas de femme du tout dans compas, l'autre bon femme qui était dans compas, elle était traitée de tous les noms, ok? Ouais. Et ça c'était, et c'est quoi, c'est seul genre musical
dans le monde qui permettait femme à l'évidence. OK? Et parce que si on prend tout succès qui était gagné près allons dire Richel Guillaume ou près Mistigian, tout le monde savait pas identifier un compas. Si on prend depuis Luman Casimir, en passant par Carole de Mesmer, en passant par Michel même, c'est pas des monde qui talent dans compas direct. Mais maintenant, avec la présence des femmes, maintenant on va discuter de ce qu'elles font les femmes. On va pas parler de monde qui a déshabillé sur scène ou quoi que ce soit, mais on nous claire ce qu'elles font. C'est bien du compas, c'est pas le compas des années 80 ou quoi que ce soit, mais c'est bien du compas. Et il est très clair qu'il y a une audience pour. Donc, moi-même, je pense que c'est peut-être pas compas que moi-même avec où nous affectionnés à, ou bien que nous gagnons. D'accord, dit que nous nostalgiques de l'IA, qui c'est compas du pur et dur des années 80, mais c'est une nouvelle route pour le compas direct. Donc, qui j'en veux allier? Mais pense que nous, tout le monde, nous, qui sait que Joe doit être filé, fait dans la réunion, différents côtés en France, pour elle peut-être dire que ce n'est pas le compas de Nemours Jean-Baptiste, mais c'est ça, il a dit tout le difficile paraît, le paraît, c'est ça, il a dit le DP Express paraît, c'est ça, il a dit le Zéclé paraît, c'est ça, il a dit le scandale paraît. Donc, à chaque génération, il y a une espèce de bataille pour dire, ouais, ça, ce n'est pas vraiment compas direct là, etc. Mais c'est bien une résultante du compas. Et c'est pareil pour tous les genres musicaux. Je prends reggae. Hein. Reggae Bob Marley a joué avec reggae que Sean Paul a joué, hein, ça n'a rien à voir. Mais compas est identifié comme du reggae. Mais voilà. Donc, moi-même, je pense que compas, et autant que Abgain Haïtien, et que Abgain Haïtien qui a cherché un genre pour l'identifier, je crois que compas est présent. Et je pense que c'est dommage que c'est compas seulement identifié, nous, parce que tellement une belle bagaille. Je pense que Jazz des jeunes t'a montré nous que route là, je pense que beaucoup mon expérience montre nous route là. Et je pense que gagne des jeunes, même gens ta famille soleil, même gens avec différents artistes, qui ont fait une musique alternative, montrer nous que nous avons fait des belles bagailles avec d'antan nous. Maintenant, il faut savoir qui ça que lié. C'est pour ça moi-même, et encore une fois, c'est pour ça que je vais vous faire le nous. Mais je pense que l'un a fait monde qu'on est. Qui est-ce que moun sa yote yé dans les années folles et son service que nous avons une jeune génération et nous rend une belle curiosité. Le seul avantage que nous avons comme population, c'est que technologie a aidé nous. Comment technologie a aidé nous? Haïti, c'est un pays qui a une tradition couvre, probablement son tradition orale. Okay? Heureusement, la tradition orale nous a enregistré. Et l'homme nous l'a enregistré, il l'a enregistré depuis les années 40 au minimum. Et maintenant, grâce à la technologie, vous voulez qu'on ait qui ça Jazz des jeunes d'abjoué, vous voulez qu'on ait qui ça Ludovic d'abjoué, ou abjoué, vous voulez qu'on ait qui ça que Joe Haché a fait dans les années 70, parce que vous n'avez pas qu'à deux mounes, vous pensez que c'est eux-mêmes qui gagnent la science infuse, qui c'est le premier monde qui fait les, mais il y a des mounes qui font de grosses scènes depuis, je ne vais pas dire depuis que Dessalines des scouts, mais presque. Après voilà, quoi. Voilà, donc c'est vraiment un gros. Un gros bagage que lié, et si jeune est intéressé, quoi que jeune est intéressé, parce que moi-même, je regarde les jeunes qui sont en Haïti aujourd'hui. Hein. Par exemple, il y a tout un groupe de jeunes musiciens qui est intéressé au jazz, mais pas seulement au jazz de la New Orleans ou au bebop, mais au jazz façon créole. Okay? Ouais. Et eux-mêmes, ils ont essayé de créer le tout. Mais côté ça aussi, ils n'ont pas joué dans la radio, et il est difficile de jouer une plaque, donc ça sorti sur Internet. Et ça sorti sous curiosité par eux, pour eux créer un jazz qui a une identité par eux. Nous, juste parler de jazz, mais nous, on parle de musique classique haïtienne, nous, on okay. parle de compas, nous, on parle de n'importe qui bagaille. Voilà. Ouais. Donc, il y a espoir. Certainement, depuis qu'il y a la vie, il y a espoir. Il y a espoir. Une question très personnelle. Oui. Fabrice Rouzier, comment vous y est? C'est pas comment vous y est, et dans le début interview, hein? Mais comment vous voyez par rapport à la situation santé qui, voilà, ou bien quelques petits combats. Alors, moi, je dis petits combats sans minimiser, hein, c'est parce que non pas dans la logique, larmoyant, tout ça, mais non. Juste comment vous voyez par rapport à combat que vous menez contre les maladies, le cancer. Moi-même, ma bataille avec lui chaque jour et je me sens très bien. Écoute, moi crois que moi c'est un monde qui chanceux dans le sens où moi pas gain moi asymptomatique, mais c'est un bail qui derrière tête moi tout le temps, mais moi gain support que pour me gagner
Et même si que c'est moi qui étudie qui là, mais j'aime toujours mon support, premièrement, de famille directe, de madame, de timoun, de frère, de zami. C'est un bail qui est inestimable. Et là, j'aime toujours l'amour, le support, et musique là, tout, permettre moi même oublier ça. Oui, parce que tellement de travail, à dé... alors, je ne vais pas dire mot dénicher, non, à accompagner, à passer sa voix avec tellement de jeunes qui ont besoin. Donc, on prend tout le temps ça pour faire l'autre bagaille plutôt que Absolument. ou laisser envahir par un état de santé qui n'est pas forcément bien. Yeah. Et donc, troisième opération qui est prévue, elle fait déjà? Non, non, nous pouvons connaître, nous pouvons connaître, Ah bon, nous ça veut pouvons dire que nous bien, connaître. Nous voilà. bien, nous bien, nous bien, On voilà. était sous point ça. Voilà. Voilà. Alors, qui pi proche projet pour nous finir? Musique, gagner Fabrice Rosier. Puis, prochaine musique, nous gagnons des performances en vue. Nous annulons malheureusement toute performance que nous avons gagnée pour fin d'année. Hein. Bon, clairement, à cause de la situation pays, hein. Nous gagnons des performances au niveau de l'étranger. Mais nous gagnons des projets personnels qui pourraient le sortir. Et il y a un plus proche projet, bien entendu, c'est avec mon autre grand ami que nous gagnons. Il m'a pas annoncé dans l'interview. Chaque année, depuis tantôt 10 ans, moi accompagné Lionel Benjamin. Et pour sortir chanter Noël dit et je crois que ça c'est bail qui va sortir ici bientôt mais moi j'ai un projet qui tient le marqueur en pile qui c'est un projet de musique religieuse pas nécessairement catholique mais c'est un projet allons dire spirituel et côté que nous allons regrouper tout le monde et bien dit tout le monde sous allons dire sous un projet qui va refléter la positivité et l'amour du prochain. Voilà, donc c'est un projet que m'a goûté avec lui depuis longtemps, m'a dit, bah, la procrastination. Et, C'est un parce que projet. c'est ton colère. Voilà, mais voilà, c'est clair, c'est clair. Mais pas c'est ça, mais je crois que de plus en plus, c'est un projet qui est mis à cœur et me souhaitait que m'a privé pour me réaliser. Ouais. On t'a senti mal pour ne pas poser aux questions ça parce que vous avez participé dans l'album Master G. Pour ne pas m'en dire, comment faire? En fait, nous avons discuté avec Guy sous regard Haïti. Nous, comme il y a un regard qui était encore dur pour un artiste qui fait un travail aussi talentueux avec autant Générosité. de normes, de générosité, comment comprendre, c'est comme une forme de silence. On parle plus loin, c'est comme une forme de mépris. Senti comme si y a pas ben artiste là placé alors que monsieur t'es novateur monsieur t'es osé comment ou même qui t'es participé dans le premier album ça comment comprendre ce destin un peu mal accueilli travail mal accueilli ce partage mal accueilli mal accepté que population haïtienne n'a été envers Master G comment comprendre ça. Moi, quoi que tu aies fait, ma soeur, j'ai une réputation que je n'ai pas méritée, d'abord. Okay? Et moi, quoi que tu aies gagné un manque de tolérance vers la différence que monsieur lui-même t'a proposé, je ne peux pas parler seulement de vie privée, de options sexuelles, ou quoi que ce soit, pour nous très direct. Même penser que Master G, tu as gagné un soufflet dans le peuple. C'était une première grande voie de revendication et tout. Ok, et là, on entend des suspens, et c'était des voix de revendication très puissantes, côté que M. Tap mettait en question, même on nous dit direction l'Église catholique, pour nous pas, et on connaît que ne sont pas tellement bien vus dans plusieurs pays, allez où est pour en Haïti. Maintenant, Master G2, c'était la générosité née, et moi-même, moi songer, par exemple, monsieur pour un groupe, petit monsieur Haïti, et des messieurs qui était complètement inconnu, hein, côté que monsieur lui-même tout a essayé bail, ça que lui était joint, il a essayé bail, une audience, premièrement à Radio Progrès, mais deuxièmement à Radio Tropique FM, tout ça que lui fait. Pour lui bail, si monsieur ça, il y a un cadre, côté capable d'évoluer, côté que lui fait entendre des musiques que vous n'êtes pas habitué à entendre, côté que lui-même dirige le projet. Et moi, je pense que, le monde qui peut connaître, on connaît.
Ok, et moun ki pou konnen et qui respecte œuvre monsieur, bon, ou gen yon la de ki la, mwen parle de expérience mwen avec monsieur bien avant que t'as fait musique comme disc jockey, mais surtout de l'éducation que libre mwen au niveau musical, de l'ouvrir son oreille pour m'entendre des bagages qui sont complètement différents. Et ma soeur, tu pas seulement, c'est facile pour dire mon son génie, mon son génie. Et ça, c'est un bail, vous connaissez la langue, yo fort dans superflu en Haïti. Mais mon bail, génie musical, probablement pas. Ok? Et ma soeur, j'étais gagné que tu as travaillé avec eux, et il était qu'on choisit qui pour faire ça pour lui tout. Ça veut dire que et c'est pas des nègres que le payer, c'est des nègres justement à cause de gens que je suis tiré de générosité et de tous les gens qui étaient capables de jouer le meilleur talent qui travaillent avec lui. Et moi, Mabjou, moi, ouais, des mouns qui pas nécessairement des mouns en Haïti, et je t'ai raconté ça à plusieurs mouns, nous avons essayé de faire promotion album Bello. Nous tombons sur une dame, la défense dans sa somme, qui reconnaît, parce que l'époque là, il faut songer que le premier monde qui vient bien dans la vie en Haïti, c'est Master G. Okay? Et pour amener un sommet, même j'ai bien dans la vie en Haïti, à l'époque, tout, c'est pas ton petit bagage. Et en plus, nous comprenons pour qui ça, ce que monsieur était capable de faire. Et ce n'est pas l'argent, ce n'est pas aucune faveur que tu as fait. C'est juste que monsieur dans le sens pratique, dans le sens, monsieur Van nous rêve by Bernard, monsieur dit, monsieur, mon pays, il est Haïti. Ok, et Bernard tombé down pour Haïti, d'après la description que Master J fait. Et monsieur est entré et il est retourné plusieurs fois. Et même qui sait que Master J, nous ne pas parler de son génie, mais c'était un des plus grands ambassadeurs d'Haïti et un des plus grands promoteurs d'Haïti et de sa culture. D'ailleurs, il faut nous préciser que Bernard Lavilliers était enchanté qui Oui, bien sûr. Haïti. Oui, avec Emeline qui était participée sous lui, avec les frères Widmayer qui jouaient sous lui, etc. Mais tout ça grâce à qui? Grâce à Master J. Et en plus, peut-être pas contre ça. Mais même moi, songe ça que monsieur t'a fait au niveau de Tap Tap Magazine avec Ralph Monsieur au niveau de la promotion. Qui ça que monsieur fait pour un groupe, même j'ai un papa, je quitte un groupe compas, que monsieur mettait sous les feux de la rampe. Donc, monsieur t'a essayé tout du monde capable pour que les aller jeunes de différents horizons pour que le montrer hey mais comment est-ce que nous sommes capables de faire percer avec musique nous et d'une façon générale moi je pense qu'il a réussi il a réussi dans sa tentative c'est vraiment une perte énorme qu'il soit parti trop jeune je suis allé vraiment trop bonheur. Parce que je me suis aimé, ouais, ça que je pensais par exemple de Barricade Crew, ça que je pensais de Work Farm, ça que je pensais de BIC, ça que je pensais de tout le monde, ça qui a fait ça que a fait. Franchement, il y en a un premier moment où je pensais à Ali, le Belogain Douala, c'est à Georges Lissera, dit Master G. Et vraiment, je me dis, wow, regardons aboutissement, d'une façon générale, ça c'est aboutissement, monsieur. Ça veut dire que chaque fois, il y a un paquet de débats que moi, ouais, et m'a regardé, et ces débats, côté que monsieur ton pionnier avant même, ma soeur dit, tu as fait World Beat avant même que tu aies un concept qui était le World Beat. Ça veut dire que si monsieur était gagné, et monsieur, que capable de gagner, parce que c'est un qui était gagné intelligence, et monsieur était gagné capacité de communication pour que l'IT entre dans une série de secteurs. Et donc, vraiment, c'était un innovateur avant la lettre. Et le seul. Allons dire, la seule chose dommage, c'est que monsieur fait non petit paradis que les Haïti. Ouais. Fabrice Rosier, est-ce que merci suffit? Nous, merci assez moi pour baouler. Vraiment, mes amis, merci, merci, merci pour mon nouillet, pour ça que nous avons fait. Dans différents bagages, pas seulement pour la musique, pour la culture. Nous faisons recommencer à lire, nous faisons intéresser dans l'histoire. Donc, vraiment, merci pour tout musicien que nous mettez sous les feux de la rampe. Et merci pour les années folles. Puis merci pour l'invitation, ça. Que mon Dieu bénisse. Nous dit merci à Fabrice Rosier qui t'a accepté. Un bon valet d'entendre pour répondre à la question. Et nous, on n'y pas répondre à toutes questions parce que nous n'avons pas posé toutes questions. Nous yo. Et c'est ça que fait nous. Bah, on a notre rendez-vous. Donc, il est après avec lui encore. Nous disons merci parce que vous t'es parlé avec tout cœur, Fabrice Rosier, sur comment musique là t'es créée, comment musique t'es créée, comment ouais musique là, comment gain espoir. Ou bien, en pile l'espoir avec mon parents. Nous disons merci pour en pile positivité que vous voyez.
Dans la musique, là, nous te pensons qui a mouru, qui pas gagné vie, surtout pour qu'on parle, mais on dit non, il y a bagay kap fèt. Oui, absolument. En tout cas, merci encore. À bientôt, pote ou bien. Merci beaucoup. Bye Et puis Guy, merci un peu, Guy. bye. Guy, merci en pile, oui. La belle Fabrice.